Alors, bonsoir à tout le monde. Il reste encore, je pense, quelques places pour ceux qui sont à l'arrière. Vous pouvez. Sinon, il y a des chaises. Vous pouvez vous en prendre une. C'est gratuit. Donc, il est 19h et des poussières. Ouverture de la séance du ordinaire du 17 mars 2014. Nous allons procéder immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, qui propose? Je le propose. Qui appuie? Marie-Lou Allary. Résolution et règlement non approuvé par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Aucun. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2014. Est-ce que les gens en ont pris connaissance? Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, M. Bessner. Oui, alors j'aurais un commentaire à la page 25. On se rappellera que Mme Hudon avait soulevé une question concernant le rapport pour la réunion tenue à Dachel. Et ici, on fait juste référence au fait qu'il y a eu une demande. J'aimerais, parce que c'est un dossier important, j'aimerais ça qu'on puisse noter au procès-verbal que M. Guévremont n'a pas assisté à la réunion de Dachel et aucun représentant n'a été envoyé. Allez-y, Mme Tousignan. Interventions. Merci. Ça va mieux. Les interventions des conseillers, les questions des membres du conseil, les questions aussi du public. Alors, on note les grandes lignes et non tous les commentaires. De toute façon, on va avoir l'occasion de revenir sur ce dossier-là dans le courant de la rencontre, que vous allez probablement obtenir des réponses à vos questions. Si ça vous convient. Qui propose... y a-t-il d'autres commentaires? Oui, Mme Allary? Oui, c'est concernant la période de questions. Donc, au premier point, on disait avis d'infraction pour l'installation de tambours temporaires en façade. Alors, si je ne me trompe pas, ce n'était pas avis d'infraction, mais plutôt avertissement. Là. Il n'y a pas eu d'avis d'infraction là, qui ont été... Non, il n'y a pas de constats qui ont été émis. Donc, c'était plus un avis de non-conformité. Avis de non-conformité, oui, parfait. Je vais noter. Merci. Simplement. Il y a d'autres commentaires? Ça va? Qui propose l'adoption du procès-verbal? Martin Guévremont. Qui appuie? J'appuie. Michel Archambault. Nous en sommes donc à la période des questions. J'inviterai M. Jean-Claude Bergeron. Petit commentaire, évidemment, essayez d'être bref, d'être concis, et pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Je suis désolé, mais j'ai... Allez-y. Je suis désolé, mais j'ai 5 points. Fait que, okay. Et je vais essayer d'aller rapidement. Premièrement, je veux dénoncer l'article paru dans le journal Les Versants, le 12 mars 2012, concernant le titre, c'était « Les 100 jours des élus de l'opposition ». Est signé par OW à la fin du texte. Je le prononce comme je l'ai vu dans le texte. Ce texte s'apparente plus à un publi-reportage qu'à un article journalistique. On y lit un seul point de vue avec photo en prime des 3 conseillers de l'opposition en tenue endimanchée. Où est le travail rigoureux du journaliste ou de la journaliste, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il serait temps que ce journal rende public sa démarche journalistique. Selon moi, le journalisme 101, les points de vue des parties impliquées et cités doivent être rapportés. Donc, les points de vue des 2 parties qui sont dans l'article. Ce genre d'article n'est pas n'est pas un plus pour notre démocratie municipale, mais essentiellement un exemple de plus alimentant le cynisme des citoyens envers nos élus locaux. Et j'ai hâte de voir quand ce journal va nous donner ses politiques journalistiques qu'il entend suivre. Quand? Bravo.
Quant au fond, dans le sens de fond de l'article, il est dit que vous dénoncez que certaines assemblées publiques, entre autres le budget, ont été tenues au centre Marcel Dulude et que c'était du gaspillage inutile. Et quand on avait trop de monde, je voudrais rappeler à l'ancienne administration que quand il y avait trop de monde à l'Hôtel de Ville, on a vécu des situations où on se promenait en travers trois polices dehors et trois polices en dedans. Et j'ai vécu des situations où je me l'ai gelé dehors entre 15 et 20 degrés centigrades. Et ça, c'est ce que vous préconisez, messieurs, madame de l'opposition, et je trouve ça mesquin. Deuxièmement, et là je trouve ça plus sérieux, vous vous présentez en victime parce que vous n'avez pas eu de l'argent pour, et je cite, « des études de préfaisabilité de trois projets d'avenir », fermez la parenthèse, « à inscrire au plan triennal d'immobilisation ». Foutaise. Trois projets arrivés de nulle part qui n'allaient nulle part et en prime, qui nous coûtait un minimum de 75 000 en études, plus les frais d'émission ajoutés aux intérêts de la dette. Il me semble pas que ce soit la bonne façon de gérer les fonds publics, et je trouve encore que, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire discutable. Merci. Deuxième point que... Non, je n'ai pas de commentaire. En fait, je reçois vos commentaires. Parfait. Merci. Deuxième point que je voudrais souligner rapidement, c'est concernant la loi sur le lobbyisme. Je sais que vous avez eu une rencontre avec le commissaire. Le commissaire. Et qu'est-ce qu'il en est sorti là, dans les quelques grandes lignes? Je vous avoue que j'aurais aimé ça y participer. Mais que, bon, même si ça avait été le jour ou le soir, je me serais organisé, puis peut-être quelques autres personnes qui s'occupent de la chose municipale auraient apprécié. Bon, c'est passé, c'est fait, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de me dire, en gros, les grandes lignes que vous entendez suivre concernant les règles sur le lobbyisme. Bon, le commissaire est lobbyiste, c'est une tournée provinciale qu'il fait. Donc, il est venu le rencontrer à Saint-Bruno. Il y avait une trentaine de personnes, peut-être même près d'une quarantaine de personnes. La plupart des élus étaient présents, y compris aussi quand même un bon groupe de membres de l'administration municipale. Et ce qui s'est dit, grosso modo, c'est tout simple, c'est-à-dire que le commissaire lobbyiste est là pour le garant, finalement, du lobbyiste. Donc, le lobbyiste en soi n'est pas une activité qui est négative. Je pense que tout le monde fait du lobbyisme d'une façon ou d'une autre. Les gens qui ont un projet peuvent éventuellement désirer ou souhaiter rencontrer des élus ou même des représentants de l'administration municipale pour présenter leur projet, ce qui est tout à fait légitime. Ce que le commissaire dit simplement, c'est que c'est important que vous vous enregistriez, que vous fassiez, que votre dossier apparaisse au niveau du registre des lobbyistes pour qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Fait qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site du commissaire aux lobbyistes, vous allez retrouver effectivement la plupart des promoteurs immobiliers à Saint-Bruno ou des promoteurs tout court qui veulent réaliser des projets au cours des prochaines années. Donc, en principe, vous avez toute l'information concernant les 10 projets et tout ce qui tourne autour des activités qui pourraient être menées pour faire avancer ces dossiers-là, qui, encore une fois, est tout à fait légitime. Donc, c'est le sens véritable de l'intervention du commissaire au lobbyiste, qu'il faut aussi se l'avouer, à pas nécessairement aussi beaucoup de moyens pour sanctionner, qui sont quand même limités. Mais... je pense que, de toute manière, s'il y a des gens qui outrepassaient de façon évidente les règles qui sont édictées dans la loi, il y a aussi des éléments qui peuvent être mis à profit pour les sanctionner. Donc, tout ça pour vous dire que oui, ce que vous me dites aujourd'hui, c'est que des citoyens auraient peut-être été intéressés à... C'est quelque chose qui pourrait être pensable, éventuellement, de faire venir le commissaire au lobbyiste et il se ferait un plaisir de vous donner toute l'information pertinente par rapport aux activités de lobbyisme.
Je voudrais juste, pour terminer ce point, souligner à votre attention que dans votre politique de gestion contractuelle, vous avez des articles qui, je vous les lis rapidement, afin de s'assurer que la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et que le code de déontologie des lobbyistes soit respecté, l'élu ou l'employé, et c'est là que, et c'est, ça existe dans votre propre réglementation, et l'élu ou l'employé municipal, et là, il y a un petit mot qui m'agace, de l'ancienne administration, peut. Donc, on a utilisé le même texte probablement qui avait été fourni par le ministère par le commissaire au lobbyiste, mais ici, on a soustrait les membres du conseil et les différents fonctionnaires de l'application stricte de cette loi. Et je pense que peut-être par une politique, une lettre ou quelque chose très facile, le mot « peut » pourrait être changé par quelque chose qui serait plus contraignant. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, nous avons bien vu cet élément-là et nous entendons le corriger dans les plus brefs délais. Je pense qu'une des réponses à toutes vos interrogations, c'est-à-dire que ce n'est pas juste au niveau de la politique de gestion contractuelle, je pense que c'est toutes les politiques qu'on pourrait éventuellement dicter au niveau de la ville. Je pense qu'il y a une dimension éthique qui doit primer. Et c'est pour ça qu'on met sur pied, qu'on crée ce soir un comité d'éthique et de gouvernance pour s'assurer que tous ces éléments-là soient pris en considération, surtout l'activité de lobbyisme, soit bien cadrée et qu'on s'assure que les choses soient faites en bonne et due forme. Donc oui, on est tout à fait d'accord avec ce que vous apportez et ces éléments-là vont être changés dans les plus brefs délais. Troisième point que je voulais vous souligner, c'est concernant la grille du frein. Vous savez très bien que dans la région de Montréal, dans certaines parties des villes, c'est une catastrophe. Vous ne rentrerez pas dans les détails là, pour ne pas ennuyer toutes les personnes présentes. Mais où en est rendue votre réflexion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Personnellement, il y a deux choses qui m'apparaissent importantes. C'est à court terme d'ici cet été, qu'on ait un minimum d'inventaire pour savoir quelle est l'ampleur de ce phénomène-là. Voulez-vous que je réponde à cette question-là tout de suite? OK. Bon, je demanderai à Mme Birubé de vous donner plus d'informations. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui vont être faites au cours des prochaines semaines et des prochains mois, qui vont répondre à vos attentes. Allez-y, Mme Birubé. Juste terminer, puis après ça, ça va. Je voulais vous déposer également un petit texte. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. J'ai vu ça à un moment donné dans la presse. Excusez la photocopie. Je vais vous en laisser une copie. Et ce qu'a fait la ville de Saint-Laurent, c'est qu'ils ont été en soumission pour essayer de trouver un bon entrepreneur qui fait la chose et un entrepreneur fiable puis sérieux. Et ça l'a donné comme résultat qu'un traitement coûte de 238 à 416 $ à la dépendant de la taille de l'arbre, du diamètre de l'arbre. Donc, pour retarder l'avancée de si moi demain matin, j'en ai pas de freins dans ma cour, mais si moi demain matin, je vois que j'en ai ou quel entrepreneur que je pourrais prendre, bon là, j'ai cet article-là, mais ça serait peut-être bon que la ville aille en soumission ou sur invitation, je ne sais pas quelle forme, pour avoir un prix fixe. Et à ce moment-là, elle transfère cette personne, cet organisme qui serait choisi pour que les citoyens en bénéficient. Donc, ça a été fait à Saint-Laurent. Je ne sais pas à qui je peux la donner. Isabelle. C'est un dossier qui évolue très rapidement. Je vais laisser le soin tout à l'heure à Isabelle le compléter. À chaque jour, à chaque semaine, on a effectivement de nouvelles données par rapport à ça. La dernière en date, c'est l'introduction d'une abeille venant d'Asie qui pourrait être utilisée pour... Mais ça, on n'est pas tout à fait... C'est actuellement utilisé aux États-Unis, même dans le sud de l'Ontario. Semble-t-il, les résultats sont quand même relativement bons. Le traitement par ce qu'on appelle des biopesticides, c'est un traitement qui est extrêmement coûteux. L'on nous dit que les résultats sont plus ou moins intéressants. Il faut les retraiter tous les deux ans. C'est une problématique c'est sûr qu'on pourrait, les villes, puis Montréal est dans une situation particulière parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de freins. C'est moins évident, Saint-Bruno, il y a moins de cette situation-là. Vous faites appel aussi à la notion de freins
sur les terrains privés. On est tout à fait conscient de ça et on est très attentif à ce besoin-là. On sait que c'est un insecte qui est ravageur et qui peut détruire rapidement des frênes qui souvent sont des arbres magnifiques. Je vous laisse le soin, Mme Bérubé, de vous donner plus d'informations. Bon, tout d'abord, concernant le recensement, il y a eu un recensement de fait des nombres d'arbres de frênes sur le territoire de la ville. Il y en a 1158 en emprise municipale, oui. 1158. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Là, j'ai appliqué votre petit calcul là, pour voir combien ça coûterait pour les traiter, les 400. Là, on parle de 463 200 si on traitait tous les arbres à 400 l'unité. Il y a de l'argent qui est mis de côté par la ville. On parle de 50 000 $ en 2014 pour remplacer les arbres qui meurent sur les emprises publiques. Donc, cet argent-là servira à remplacer éventuellement les arbres qui devraient être... on s'attend à ce qu'ils soient bouffés par la grille. C'est un petit peu incontournable. Par ailleurs, il y a eu des mesures qui ont été prises, à savoir qu'il y a de l'information sur le site et aussi la question des branches qui ont été gardées à l'intérieur du territoire qui est visé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui régit là, toute la question de la grille. Donc, il y a des choses qui sont faites. Je ne sais pas si c'était envisagé de traiter les arbres. À mon avis, pas encore. Est-ce que ça vaudra la peine? Faudra l'envisager d'un point de vue économique. Voilà. Mais moi, juste pour terminer, je le voyais aussi pour le citoyen qui a un frêne qui, lui, décide sciemment de mettre 200, 300, 400 $ pour 2-3 ans pour retarder la progression en attendant qu'il puisse replanter et qu'éventuellement la replantation se fasse avec des arbres d'une certaine constance. Donc, je suis très conscient que ça ne règle pas tout, mais je pense que c'est important que le citoyen sache qu'il y a des possibilités, puis à des prix qu'il est sûr de ne pas se faire fourrer, parce que là-dedans, dans l'article, les prix ont baissé de plus que la moitié avec ça, parce qu'il demandait facilement 1 000 $. Alors, ce que vous demandez, c'est qu'on ait une information sur les options que le citoyen pourra avoir à sa disposition pour traiter les arbres. Oui, et très concrètement, un ou deux entrepreneurs sérieux avec les prix pour pas que chacun se fasse, comme on dit, avoir à la pièce. Bien reçu. Effectivement, c'est une très bonne suggestion. On va voir qu'est-ce qu'on peut Dernier point, rapidement. Je voulais savoir où vous en êtes rendu, M. Murray, concernant la séance de questions après le conseil municipal. Ça tombe bien, on adopte un nouveau règlement ce soir. Parfait, merci. Merci, bonne fin de soirée. J'inviterai M. Serge Moquin à venir. Bonsoir, mon intervention va être plus courte. On a répondu à la dernière question, a répondu à l'une de mes questions. Et M. Bergeron a aussi fait état de certains dossiers, en fait, d'un article de journal et de dossiers qui ont été amenés par l'opposition, et j'avais des commentaires, donc je vais raccourcir là-dessus. En fait, pour moi, mon intervention de ce soir portait sur les 100 jours. Les 100 jours d'une nouvelle équipe à l'Hôtel de Ville et les 100 jours de l'opposition. Lors de la première séance du conseil municipal en novembre, où j'ai souligné le vent de changement qui avait soufflé sur Saint-Bruno, il y avait deux souhaits que j'avais exprimés. Le premier, c'est que la nouvelle équipe, celle du Parti Montarulois, réalise le programme pour lequel elle avait été élue. Puis le second, touchait l'opposition, à savoir que les élus de l'opposition remplissent leur rôle de façon constructive. Moi, je suis un démocrate. J'ai accepté ma défaite dans mon district et je conçois que dans une élection, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais qu'en bout de la ligne, les citoyens doivent être gagnants et qu'il est normal dans une démocratie qu'il y ait des gens qui assument des responsabilités de pouvoir et des gens qui assument des responsabilités d'opposition. Et que tout ça doit fonctionner pour permettre effectivement de faire avancer le débat public.
comme d'autres citoyens, effectivement, j'ai hâte qu'on mette en place le programme pour lequel l'équipe a été élue. En même temps, je suis conscient que quand une nouvelle équipe arrive avec un programme ambitieux, il faut mettre les conditions en place pour que ça se passe. C'est-à-dire, il faut prendre contact avec une fonction publique municipale qui est là, qui est déjà en œuvre, qui a déjà travaillé par le passé avec une autre administration. Il faut prendre connaissance des dossiers, et ça prend du temps. Et dans ce sens-là, je trouve que quand même, l'équipe qui a pris les nouvelles responsabilités se sont quand même relativement bien acquittées de la responsabilité. Un des engagements qui avait été pris, c'était notamment de mettre un frein à certains projets de développement, le temps qu'on puisse voir ce qu'il en retournait, et prendre des décisions ultérieurement par qui rejoignaient les intérêts des citoyens de Saint-Bruno. Je pense notamment à des dossiers de développement environnementaux, le Boisé des Hirondelles, le développement sud 116. Ça a été fait. Somme toute, comme beaucoup de citoyens, on est encore en attente, mais on voit que les choses vont rondement de ce côté-là. Donc, pour les 100 premiers jours, du côté du travail de la nouvelle équipe, je suis relativement satisfait. Relativement, parce qu'on peut toujours avoir des critiques à apporter. Du côté de l'opposition, mes attentes, par contre, ne sont pas tout à fait à la hauteur du souhait que j'avais exprimé en novembre. Malheureusement, je trouve qu'on a à apprendre du côté de l'opposition dans nos rôles. Déjà, en novembre, un membre de l'opposition avait proposé qu'on donne le poste de maire suppléante à Mme Hudon. M. Besnard a récidivé le mois dernier avec la même proposition. S'il y avait eu une période, pas de questions, mais de commentaires ou de commentaires-questions à la fin de la rencontre, je serais intervenu à ce moment-là. J'ai intervenu aujourd'hui là-dessus. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction dans les rôles. Un maire suppléant, c'est un poste important dans une administration municipale. C'est un poste qui peut devenir encore plus important si, pour une raison ou une autre, le maire n'est plus en mesure, pendant un certain temps, d'assumer ses responsabilités. Les citoyens de Saint-Bruno ont élu des candidats, ont élu une équipe. Je me verrais très mal comme citoyen de Saint-Bruno voir que des responsabilités qui sont dévolues à un maire, qui a été élu dans une équipe majoritairement, va dire que ses responsabilités échouent pour toute autre raison à une candidate de l'opposition. On se comprend, on est dans un système, à Saint-Bruno, il y a des équipes qui sont présentées avec un programme, des programmes fort différents. Et les citoyens de Saint-Bruno auront, à terme, à juger dans une élection ultérieure, à savoir si l'équipe qu'ils ont élue ont rempli leur mandat. Pour que ça se fasse, il faut que ce soit les gens qui ont été élus comme tels pour assumer les responsabilités de pouvoir, dire que ce soit eux autres qui aient la commande en tout temps, de l'administration. Ça ne veut pas dire que, par ailleurs, les gens de l'opposition n'ont pas un rôle. Je pense que les gens de l'opposition ont un rôle important à jouer, mais c'est un rôle d'opposition et non pas un rôle de pouvoir. Je pense que ce serait important pour les gens de l'opposition d'en prendre note et qu'on ne revienne pas à tous les trimestres pour proposer un candidat d'opposition pour assumer des responsabilités qui échouent au parti qui a été élu majoritairement. Maintenant, par rapport à l'opposition, moi, je crois fondamentalement que l'opposition a un rôle important à jouer. Parce que les gens qui assument les responsabilités de diriger, que ce soit une ville ou une province, ils n'ont pas le monopole de la vérité. Ils peuvent commettre des erreurs, puis l'opposition est là pour soulever ces erreurs-là, pour soulever les manques qu'il peut y avoir. Mais par contre, l'opposition n'a pas à jouer au cirque. Et malheureusement,
dans les derniers 100 jours, je trouve qu'effectivement, c'est à ça qu'on a joué, du faire voir. L'article, effectivement, dont on a fait mention, est un exemple patent de ça. Et les critiques qui sont apportées par l'opposition à l'administration, je les trouve très injustifiées. Je prendrai peut-être le dernier événement, l'événement qui est particulièrement pour moi un cirque. Effectivement, Mme Hunon, M. Audard, sont pas, je veux dire, qui ont été longtemps dans l'administration, au moins les deux derniers mandats, savent qu'il y a des comités consultatifs qui travaillent à huis clos. Et de se présenter avec M. Bessner dans ces comités-là, c'est clair que c'est une action qui était pensée, okay? S'imposer dans ce comité-là, c'est un geste qui n'est pas à l'honneur d'une opposition, et surtout pas après ça, dire, dans médiatiser et de faire porter l'odieux de s'être fait sortir par un maire qui a fait simplement appliquer les règles qui sont à la ville. Si on n'est plus d'accord avec ces règles-là, il y a un conseil municipal, il y a des propositions à faire et qui doivent être débattues, puis suite à ça, ben, une décision va être prise. Mais d'agir de la sorte, ce n'est pas un geste que je qualifierais de parlementaire. Ce n'est pas un geste d'une opposition constructive. J'aimerais ça qu'on en prenne note. Les trois projets qui ont été avancés, c'était à l'Assemblée de novembre, si je me souviens bien. Moi, je pense qu'il faudrait se garder une petite gêne. On a une nouvelle équipe qui arrive, qui a la responsabilité de prendre la gouverne de la ville. C'est très clair dans le programme du Parti Montarvillois. Je veux dire que tous les éléments qui étaient là, que ce soit des allées piétonnières, que ce soit des pistes cyclables. Commentaire. On a fait... J'aimerais simplement vous... Oui, mais ce n'est pas une question d'ordre, monsieur. C'est parce que nous, on a décidé depuis le début, qu'on laissait les citoyens s'exprimer. C'est une période de questions où les gens peuvent commenter. On va laisser demander à M. Moquin d'abréger. Alors, je termine. Moi, j'ai, comme beaucoup de citoyens, des attentes de la part et de l'équipe qui a les responsabilités de diriger la ville et de l'opposition de jouer leur rôle. Il y a de la place pour le faire. Et on s'attend donc pour au moins les 100 prochains jours. En tout cas, j'espère qu'on va tenir compte des commentaires que je viens de faire. Merci. Merci, M. Moquin. J'inviterai Mme Vu, j'espère que je prononce bien son nom. Mme Vu, est-ce qu'elle est ici? OK, allez-y. Ça va bien? Bonjour. Oui. Bonsoir, madame. Bonjour, M. Bédard, vous allez bien? Allez. Moi, ça va être, écoutez, très, très simple. J'ai une question. Pourquoi que la 91 a été abolie du boulevard Clairvaux? Je ne sais pas, j'ai fait un plan, je ne sais pas si vous voulez voir. J'aimerais ça que amenez-le. Vous puissiez y jeter un coup de... Ça va nous faire plaisir. C'est vraiment fait maison. Pas de problème. Là, voyez-vous, merci M. Bédard de m'avoir fait parvenir les plans, le trajet proposé pour la 91. Vous allez voir que dans le premier, la ligne 91 proposée, okay, ça c'est le trajet qu'on fait actuellement. Alors, vous voyez, moi, le X, là, en rouge, c'est là que la plupart des citoyens de la ville qui prennent le 91, la 91 le matin. Alors, comme j'ai expliqué dans le courriel que je vous ai envoyé, c'est 5 minutes. 5 minutes, OK? Le soir, c'est exactement la même chose. Alors, si on arrive dans le deuxième, la ligne 92 PM proposée, là, vous allez voir, ça, c'est... proposer, modifier, allonger. Là, ce que je comprends, là, c'est que la 91 va desservir Saint-Basile, hein, la 116 Saint-Basile, que la 92, éventuellement, le 7 avril, là, vous allez faire le tour de la ville de Saint-Bruno. Vous allez voir le trajet en jaune, là. Ça, c'est le trajet proposé par la 92. Alors, je vais vous expliquer en gros, aujourd'hui, j'étais supposée être malade à la maison. Dites-le pas à mon boss, là, mais j'étais vraiment malade. Alors, j'ai décidé de faire le trajet. J'étais avec ma fille, il était 1h17
à partir de la gare de Saint-Bruno. OK? Et j'ai suivi la vitesse, à la limite de vitesse de la ville, et j'ai fait le trajet au complet. Si on comprend bien, là, si je fais le trajet, vitesse normale, circulation fluide, aucun trafic, OK, avec la 92 à partir du 7 avril, là, je vais devoir passer par la 30. Puis on sait très bien que la 30 le soir, ou le, ben, le matin, ça me touchera moins, là, mais le soir, c'est congestionné. Congestionné. Alors, moi, j'ai calculé ça. Vous voyez mes calculs hein, très, très... comment je dirais ça? Exact! Savant. Alors, je mets à peu près 34 minutes et 30 secondes. Sans arrêt. Puis là, j'avais ma fille qui, avec son iPhone, puis elle le chronométrait. Alors, pas d'arrêt, pas de trafic, pas rien, à rien, à rien. 34 minutes et 30 secondes. Alors, vous voyez toujours le X où est-ce que je suis, là. Là, j'arrive au troisième, ici. La 92 à M proposée. Je suis toujours là. Alors, je vais prendre là, je vais sauver, je ne sais pas, 100 mètres où est-ce que je devrais prendre l'autobus le matin maintenant. Mais vous allez faire passer, mais pas vous, la RTL, je ne sais pas, passer par Ocar. Ça, c'est, on parle de, dans le du côté industriel, là. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Là, quand on a fait le détour pendant les deux années qu'on a fait la réfection sur le boulevard Clairvue, il n'y avait jamais personne qui prenait l'autobus. Là. Pourquoi faire passer toute la gang par Ocar pour reprendre Clairvue? T'sais? Ça, je trouve ça débile un peu. Puis, le soir, vous allez voir, toujours là, on regarde, je dois partir de la gare de Saint-Bruno et tu dois faire un tour guidé de la ville de Saint-Bruno avant d'être rendu chez nous. Et, tu sais, j'arrive à la maison, écoutez, moi, je pars, je me lève tôt le matin, comme la plupart des travailleurs, on se lève tôt, on s'en va prendre l'autobus. Juste vous dire, là, j'ai sorti, parce que là, c'est le temps des impôts, n'est-ce pas? J'ai sorti, l'année passée, j'ai payé 2612 en carte opus pour ma fille et pour moi. Et j'ai calculé pour, avec les augmentations de cette année, je vais devoir payer 3312 par année. Ça, c'est bête, cela, là. Puis là, là, on me dit, OK, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus rien. Vous allez partir de la gare de Saint-Bruno. Vous allez faire le tour de la ville de Saint-Bruno. Ça va nous prendre 45 minutes de plus. Je n'ai pas exagéré quand j'ai dit 30 à 45 minutes, là. T'sais, 34 minutes et 30 là, secondes, ça, c'est fluide. Je n'ai pas personne en avant, là. J'arrive au stop, je pars. Un beau stop, quand même. J'arrive chez nous, mais quand même, c'est 34 minutes et 30 secondes. Alors, ma question, pourquoi? C'est simple. Pourquoi? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Effectivement, long, vous hein? savez que c'est une très bonne question. Puis je vais laisser la parole à Jacques pour répondre justement à vos questions. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, la RTL, c'est un réseau de transport de Longueuil. Ça fait partie de l'agglomération. Mm-hmm. Saint-Bruno n'est qu'une toute petite partie de ce réseau-là. Et ce que moi, je perçois dans tout ça, c'est qu'eux autres ont fait des analyses, des études. Ils en sont arrivés à la conclusion que c'est cette façon-là qui devrait être la meilleure pour répondre aux besoins des Montorvillois. Donc, je vais laisser le soin à M. Bédard d'ajouter des commentaires. Ouais. Ben, écoutez, ce que vous reprochez au RTL de s'enligner à vous faire subir, les gens du secteur Boucherville le subissaient antérieurement à cause d'un trajet très, très long du 92-91 pour aller jusqu'à la gare de Saint-Bruno. 91 va desservir le plus en haut de Saint-Bruno puis va aller les reconduire à Saint-Basile pour qu'effectivement, eux aussi, puissent prendre un temps plus raisonnable pour arriver ou encore repartir du train de banlieue. La problématique que vous nous soulevez, effectivement, le 92 va faire un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la gare, prenant la 30, puis faisant le circuit de Parent, puis
dans le sens des aiguilles de Le Monde pour revenir à la gare, tandis qu'avant ça, il faisait des deux côtés. Lorsque nous sommes parlé la semaine dernière, j'ai fait des représentations au niveau du RTL. Un, les raisons officielles pour lesquelles ça a été changé, on nous dit que c'est des plaintes qu'il y avait du haut de Saint-Bruno pour être capable d'atteindre la gare. Alors, ils ont répondu à des plaintes. Faire un changement comme ça, ils m'ont dit, écoutez, ça fait longtemps là, que c'est dans les cartons, ça prend au moins 6 mois avant qu'on fasse un changement comme ça. Donc, c'est antérieur aux élections. Suite aux représentations que j'ai faites aujourd'hui au RTL, où j'ai fait mention de votre suggestion qui était d'installer une arrêt sur Marie-Victorin au coin de Clairvue pour que vous puissiez débarquer là puis marcher jusque chez vous avant qu'il embarque sur la 30. La marche de santé, c'est ça. C'est ça. Je trouvais l'idée noble au niveau de l'exercice, du transport actif, là, mais bon, tout ça pour dire qu'ils m'ont dit, écoutez, il y en a déjà eu un arrêt, on l'a enlevé, c'était trop dangereux. Alors, eux autres, à force de négocier, je vous dirais à 3h après-midi, 3h30 après-midi, ils m'ont rappelé, les techniciens nous ont dit que finalement, on va s'aligner pour faire monter le trajet jusqu'au centre Marcel Duluth. Mais là, écoutez, actuellement, c'est pas possible au niveau, à cause de la convention des chauffeurs, etc., ça prendrait des délais, là. Le pire que ça peut être, c'est qu'en juin, ils vont l'appliquer. Le mieux que ça peut être, c'est que si le syndicat des chauffeurs accepte de faire une entorse à la convention pour le gros bon sens, là, au nom du gros bon sens, qu'on leur a expliqué, semble-t-il, il y aurait moyen de réorienter le trajet avant le 7 avril. On est comme là, minuit moins 5 et 2 minutes. Ah, oh, ça c'est bon ça. Alors, ça, mais alors ce soir, je peux rien Madame vous... Madame V est contente. Je peux rien vous garantir ce soir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que probablement que du directeur général du RTL jusqu'à l'employé de soutien, je pense qu'ils n'ont entendu parler aujourd'hui. Okay. Ça, je suis à peu près sûr. Comme je vous ai dit, puis je profite de la tribune pour annoncer à tout le monde que d'ici un an, on va faire une job complète à Saint-Bruno pour réévaluer le réseau de transport du RTL. Actuellement, le réseau de transport, il a été comme adapté à ce qui se faisait avant. Quand le RTL a repris le réseau privé qui existait à Saint-Bruno, ils ont comme adapté un peu, se sont ajustés avec les nouvelles demandes, mais les nouveaux quartiers, le nouveau trafic de la 116, etc., fait en sorte qu'il y a une modulation à refaire à Saint-Bruno. Et comme je vous expliquais, un changement de trajet, ça prend 6 mois. Ça fait qu'imaginez-vous qu'une refonte, là, puis comme on veut la faire, on veut aller en consultation publique, on veut vous entendre sur ce que vous aimeriez, puis sur pourquoi vous l'aimeriez, puis etc., pour que les gens du RTL aient plus d'éléments dans l'équation qui va pondre d'un nouveau système de transport, nouveau tracé de transport à Saint-Bruno. En gros, c'est ça que je peux vous dire ce soir. Bien, écoutez, c'est encourageant. Je pense que vous m'avez entendu. Ouais. Je pense que j'ai parlé fort un peu, mais écoutez, m'appeler madame, c'est en masse. En masse. Mais écoutez, je suis très satisfaite et puis je vais attendre de vos nouvelles. Hein? Bon, si plaisir. Vous dites d'ici le 7 avril, ça va être fait. Bien là, je ne vous garantis pas que ça va être fait. Là. Je ne vous garantis pas. Sauf que je vous dirais que si le syndicat des... C'est ça que je dis, là, si le syndicat des chauffeurs d'autobus comprend le bon sens, on va aller de l'avant. En tout cas, la direction du RTL est intéressée à ce qu'on aille de l'avant dans ça. Bien, c'est parfait. Merci beaucoup. J'espère que vous allez me donner... Vous allez me tenir au courant du développement comme ça, mais je vais pouvoir... Et on va vous tenir au courant, effectivement, de tout ce qui va avancer dans ce dossier-là. Parfait. Ça va nous faire plaisir. Merci, madame. Bonne soirée. Là. Au revoir. Nous en sommes donc au point 6, dépôt de documents, parce que c'était la fin des périodes de questions. liste de mouvements de personnel.
Donc, les mouvements de personnel, effectivement, il y a eu 17 mouvements de personnel au cours, je vous dirais, du dernier mois et demi. C'est essentiellement des surnuméraires ou des gens qui ont démissionné et qui ont été remplacés. Donc, vous avez l'ensemble des mouvements de personnel à l'écran. La majorité d'entre eux, durant l'hiver, concernent les loisirs, les communautaires. L'été, c'est plus au niveau des travaux publics. Liste des élus, maintenant, le point suivant, le dépôt de documents. Liste des élus ayant suivi la formation obligatoire en matière d'éthique et de déontologie. Tout le monde a eu cette formation-là. Quelques élus l'ont eu en 2012 parce qu'ils étaient déjà, à ce moment-là, des élus. Madame Hudon, M. Audard et puis Michel Archambault, donc, ont été formés à cette époque-là. Les autres ont reçu cette formation-là soit au mois de novembre, soit au mois de février dernier. Maintenant, certificat de la greffière. Tout simplement, vous savez que quand on s'en va en règlement d'emprunt, il faut, on a une obligation légale de publier ça dans les journaux et les gens peuvent s'opposer. Donc, vous voyez, il y avait 20 387 personnes habilitées à voter, 500 pour éventuellement rejeter le règlement d'emprunt. Il n'y a eu aucune demande de fait à cet égard-là, donc le règlement a été réputé approuvé. C'est la même chose pour l'élément suivant concernant la période d'enregistrement du règlement 2014-4 décrétant des travaux de réfection du Grand Boulevard. Donc, ça aussi, il n'y a eu aucune signature à l'encontre de ce règlement d'emprunt-là. Point 7 maintenant, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. Le point 7.1.1, aide financière au Club Richelieu de Saint-Bruno au profit de la prévention du suicide chez les jeunes. C'est un montant de 1500 $ qui a été accordé au Club Richelieu, ou plus spécifiquement à la Fondation Richelieu de Saint-Bruno. Donc, qui propose? Marie-Lou, qui appuie? Michel Archambault. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. 7.1.2, aide financière à l'école secondaire du Mont-Saint-Bruno. Attachez vos tucs, le montant est important. Album de finissant 2013-14. C'est une aide financière de 35 $ pour une annonce format carte professionnelle. Ça, je vous dirais que c'est, depuis un certain nombre d'années, c'est à chaque année, la Ville de Saint-Bruno achète l'équivalent d'une publicité dans le journal définissant des élèves de l'école secondaire, au coût de 35 $. Qui propose? Martin Guévremont. Qui appuie? J'appuie. Isabelle. OK. Questions, commentaires, ça va. 7.1.3, autorisation de déplacement, 15e colloque du réseau des élus, des élus municipaux de la Montérégie S. Donc, c'est une inscription au coût de 195 $ excluant les taxes. Un événement qui a lieu le 10-11 avril au manoir Rouville-Saint-Hilaire. Et l'élu qui demandait d'être présente, c'est Mme Marie-Lou Allary. Donc, qui propose? Jacques Bédard, qui appuie? Martin Guévremont. 7.1.4, déclaration d'engagement à l'achat public auprès des entreprises collectives. Tout simplement, je vais vous faire la lecture. Donc, c'est de s'engager dans le respect des normes et des règles en matière d'octroi de contrats publics et municipaux à s'approvisionner davantage en biens et en services provenant de l'économie sociale, d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration d'engagement à l'achat public auprès des entreprises collectives. Cette demande-là a été faite un peu partout dans les municipalités de l'aglo, et effectivement, les aglos y ont donné suite. Donc, Saint-Bruno n'a pas de problème à aller de l'avant avec cette demande-là, d'autant plus que ce n'est pas un avantage qu'on donne à l'économie sociale ou à des entreprises, c'est simplement de leur donner la possibilité de faire partie de la banque de fournisseurs et s'il y a un appel d'offres, de faire en sorte que ces gens-là reçoivent aussi l'appel d'offres. Ça va. Qui propose? Jacques Bédard. Qui appuie? Michel Archambault. 7.1.5. Des points qui, pour nous, apparaissent importants. Donc, création du comité consultatif de développement économique et nomination d'un représentant de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Il est proposé de créer le comité consultatif de développement économique, dont vous voyez le mandat apparaître à l'écran, d'adopter le document décrivant l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif de développement économique du mois de mars 2014, de nommer le conseiller Jacques Bédard à titre de représentant de la ville de Saint-Bruno au sein de ce comité. Est-ce qu'il y a des commentaires? J'aurais des questions d'abord. Allez-y.
Bien que j'ai fait des commentaires au sujet de la création de ce comité-là lors de la session de travail, des commentaires qui n'ont pas été pris en compte, j'aimerais quand même que vous me précisiez à quel titre et dans quel contexte se feraient les recommandations du comité au sujet des projets d'implantation de nouveaux commerces et entreprises. Ma réponse est toute simple, c'est-à-dire que c'est le comité consultatif. Je vais vous lire le mandat du comité. Donc, le comité consultatif de développement économique est mandaté par le conseil municipal pour étudier et faire des recommandations sur toutes les questions qui lui sont soumises touchant le développement économique de la ville. L'objectif étant d'assurer un développement économique harmonieux et intégré, l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville et le maintien et l'expansion des entreprises existantes. À cet effet, le comité consultatif sur le développement économique pourra émettre des recommandations au conseil relativement aux études et analyses réalisées à la demande du conseil. Donc, il y a toute une série d'éléments qui apparaissent. Je vais vous faire grâce de ces éléments-là. Mais tout ça va dans le contexte aussi. Vous savez qu'en 2009, au mois de mai 2009, il y a eu une présentation d'un plan stratégique de développement économique au niveau pour Saint-Bruno. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite à ce plan-là pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas à moi à juger par la suite du fait que ça n'a pas été mis en place. Nous, on s'est rendu compte que c'est très important, compte tenu, on le voit aussi au niveau de notre centre-ville actuellement, souffre un peu. Au niveau des promenades, la concurrence qui est exacerbée. Même au niveau de notre parc industriel, on a un secteur manufacturier qui est à risque à terme. Donc, il nous apparaissait important d'avoir un comité qui va avoir une préoccupation reliée à tout ce qui s'appelle l'implantation de nouvelles entreprises, le maintien des entreprises existantes. Donc, un comité d'experts qui va être composé des personnes suivantes, pour répondre de façon encore plus spécifique à Mme Hudon. Donc, 9 membres qui auront droit de vote, 4 membres nommé par la résolution du conseil, choisi parmi les résidents de la ville, 3 membres de la communauté d'affaires de Saint-Bruno, donc associés à une entreprise comme propriétaire ou exploitant, 1 membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, ça nous apparaissait important qu'il fasse partie de ce comité-là, et 1 membre du conseil municipal par résolution de ce dernier. Donc, c'est vraiment dans l'optique où on pense que Saint-Bruno a encore un fort potentiel au niveau de son développement économique. On pense aussi que dans ce qui existe comme entreprise à Saint-Bruno, il y a certaines menaces et on doit s'assurer qu'on puisse regarder les choses à travers des experts, des gens qui ont les compétences requises pour ce faire. Et comme c'est un comité consultatif, il va recevoir ses mandats directement du conseil municipal. Ça répond à vos questions? Non, ça ne répond pas à ma question. Je vous ai demandé à quel titre et dans quel contexte les recommandations du comité au sujet précisément des projets d'implantation de nouveaux commerces et entreprises seraient faits, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a des nouveaux projets d'établissements de commerce ou d'entreprises, habituellement, les gens doivent déposer des demandes au service de développement urbain. Ces demandes-là sont regardées par le comité consultatif d'urbanisme qui veille à l'application et à la concordance avec la réglementation de la ville. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est de quelle façon un comité de développement économique va intervenir dans les projets d'implantation de commerce ou d'entreprise, à quel moment dans la séquence ils vont intervenir, à quel titre, comment ces choses-là vont s'harmoniser avec la démarche qui est déjà encadrée légalement par le comité consultatif d'urbanisme, qui est le comité qui a le seul comité qui a une existence légale selon la loi. Alors, c'est ça le sens de ma question, puis vous n'avez pas encore répondu à cette question-là. Bien, Mme Hudon, c'est tout simple. Le comité consultatif, c'est d'abord un comité qui s'occupe d'urbanisme, donc du respect des règles d'urbanisme, d'utilisation, d'occupation du sol. Donc, vous avez effectivement un secteur qui peut être identifié comme un secteur résidentiel, un secteur commercial, un secteur aussi industriel. Et on s'assure que les projets qui sont soumis répondent à ces critères-là. Le comité de développement économique va beaucoup plus loin, c'est-à-dire regarde toute la dimension économique. Est-ce que, par exemple, cette implantation-là répond à des critères en termes de durabilité, en termes aussi de lien avec la communauté. Puis ça nous permet d'aller beaucoup plus loin en termes de menaces et d'opportunités. Donc, pour moi, c'est un comité d'experts qui vont se pencher, entre autres, sur la diversité commerciale. Pour se dire aussi, on pense qu'au niveau du centre-ville, il y a des choses qu'on doit favoriser, donc peut-être s'assurer, entre autres, d'attirer certains commerces qui ne sont pas présents. Ce que ne fera pas le comité consultatif en urbanisme, ce n'est pas son rôle. Donc, un comité consultatif de développement économique a vraiment un rôle
à ce niveau-là. Et je ne comprends pas que vous ne compreniez pas à ce stade-ci c'est quoi son rôle. Parce que dans beaucoup de villes, vous avez actuellement, vous avez développement économique Longueuil qui existe. Développement économique Longueuil a un mandat, évidemment, ce sont des personnes qui sont rémunérées, alors que ce comité consultatif-là ne l'est pas. Mais ces gens-là ont comme mandat d'attirer des entreprises. Et le comité consultatif de développement économique a aussi ce rôle-là. C'est pour ça que vous allez retrouver sur ce comité-là personnalité, une personne non votante, un représentant de développement économique Longueuil. Pour nous, c'est très important de faire le lien. Et on l'a vu, je peux vous dire que les commerces, les entreprises, les promoteurs se sont sentis orphelins au cours des dernières années. Et c'est un peu en réponse à leurs demandes, en réponse aussi à leurs besoins qu'on met sur pied ce comité-là. Et on va être très actifs pour faire en sorte que leur point de vue, leurs commentaires, leurs besoins soient pris en compte. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas l'objectif, mais on parle ici des projets d'implantation. Vous avez dans le mandat du comité une réflexion à faire sur l'offre commerciale dans le centre-ville. Je veux bien, ça c'est correct, ça fait partie d'un mandat qu'un comité de développement économique peut regarder, quelle pourrait être l'offre commerciale au niveau du centre-ville ou de n'importe où ailleurs dans la ville d'ailleurs. Ça pourrait aussi être le cas sur, on peut souhaiter que certaines industries viennent s'établir. Mais quand on parle de projets d'implantation, ça fait référence à des projets qui sont déjà possiblement avancés ou apportés par des promoteurs, par des commerçants ou par des entreprises. Et je veux savoir à quel moment le comité de développement économique va devoir intervenir dans le dossier par rapport aux demandes qui sont faites normalement au niveau du CCU et où les choses sont regardées. Ce n'est pas précisé. Et moi, je vous ai suggéré à la rencontre de la session de travail, je trouvais que ça outrepassait un petit peu les possibilités, dans le fond, nos responsabilités vis-à-vis des règles du marché. Et j'ai suggéré que cette phrase-là, que cette partie-là du mandat ne soit pas inscrite. Bien que j'en ai fait la représentation au moment de la session de travail, j'ai constaté, en recevant les documents vendredi, qu'il n'y avait eu aucun changement à ce sujet-là. Et vos réponses ce soir ne me disent pas plus où les choses vont se passer, puis de quelle façon ça va se passer pour des gens qui arrivent avec des projets d'entreprise ou des projets de commerce à Saint-Bruno. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais vous relire le libellé. À cet effet, le comité consultatif sur le développement économique pourra émettre des recommandations au conseil relativement aux études et analyses réalisées à la demande du conseil quant au projet d'implantation et de nouveaux commerces et entreprises. Je ne vois pas en quoi le comité de développement économique pourrait errer alors qu'il va recevoir ses mandats du conseil. Pour moi, là, le garde-fou, il est là. Je ne sais pas qu'est-ce que... Pour vous, c'est quoi le problème? Prenons l'exemple, mettons. On a un exemple très précis. On a tous en tête le dossier de Jean Coutu. Le conseil municipal aurait pu dire, OK, du point de vue de la recevabilité au niveau du CCU, une problématique particulière, c'est zoné, éco-parc, etc., etc. On aimerait nous avoir un avis du comité de développement économique pour que lui se prononce sur la pertinence, l'utilité, et ça ne lie en aucune façon le conseil municipal, sauf qu'il y a un point de vue qui est autre que celui uniquement de l'aménagement du territoire. Il y a une dimension économique qui est très importante. Il y a aussi un lien qu'on doit faire avec la population qui est présente à Saint-Bruno, toutes les relations entre travail et aussi famille. Donc, ces dimensions-là sont aussi préoccupantes et l'impact que cette entité-là pourra avoir aujourd'hui, demain et après-demain, dans le sens que vous avez peut-être des commerces qui peuvent vouloir s'implanter à Saint-Bruno, qui sont intéressants ou des entreprises, mais dont la viabilité à terme est assez risquée pour toutes sortes de raisons que ce comité-là pourrait éventuellement identifier. Par contre, il y a des commerces qui ont pignon sur rue depuis des dizaines d'années et qui seraient peut-être intéressants de considérer de façon particulière. Je vous dis ça aujourd'hui, et pour moi, qui suis un économiste de formation, puis pour moi, c'est clair. Là. C'est clair qu'on a bien cadré, bien ciblé le rôle de ce comité-là. Les mandats ne viennent pas du comité, sont donnés par le conseil. Donc, si le conseil juge pertinent d'avoir une lecture autre, une vision différente, il va mandater le comité de développement économique de se prononcer et de nous donner son avis. C'est tout simple, comme on le fait dans d'autres... C'est un comité de développement économique. Donc, le développement, par définition, c'est aussi l'implantation de nouvelles entreprises. En tout cas... Dans un domaine où
Présentement, on est dans une économie de libre marché. Je considère que c'est quand même alourdir passablement l'implantation pour des gens qui auraient des projets d'entreprise. J'ai une autre question, M. Murray. Je pense qu'on ne fera pas une discussion jusqu'à minuit ce soir. De toute évidence, on n'est pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. J'avais une autre question. Au niveau de la composition du comité, oui. C'est pas précisé dans votre... j'ai lu tout le document plusieurs fois. J'ai pas vu de précision au sujet de la façon dont la Ville fera l'appel de candidature pour les membres de la communauté d'affaires. Ça va se faire par un peu comme on l'a fait, par avis public. Donc, vous allez avoir effectivement des annonces qui vont paraître dans les journaux selon les critères qui apparaissent à la fin, le processus d'appel de candidature et critères de sélection. Donc, vous les avez ici et c'est sûr qu'on va s'assurer que l'exercice soit fait de la façon la plus neutre possible, en tenant compte des qualités, des qualifications des personnes et surtout de la représentativité de ces personnes-là par rapport au commerce, aux entreprises, aux industries qu'elles veulent représenter. Et qui fait partie du comité de sélection? Nous allons identifier les personnes qui vont faire partie du comité de sélection ultérieurement, mais vous allez être informés de tout ça. Pour le moment, on n'a pas été encore en appel de candidature. On va le faire probablement au cours de la semaine prochaine. Donc, on va vous tenir au courant des développements, mais on va s'assurer que l'exercice soit fait en toute neutralité. Ça va? Moi, j'avais une dernière question. Au niveau de la représentativité, vous parlez des commerçants, puis des entrepreneurs, des commerçants qui sont identifiés comme étant un membre représentant le secteur centre-ville, un membre représentant le secteur du parc industriel, un membre représentant le secteur des promenades de Saint-Bruno. Alors, pour les autres entrepreneurs qui répondent pas à ces définitions-là, il n'y a pas d'intérêt pour eux autres d'avoir la possibilité de discuter de développement économique sur le territoire. Parce que ça circonscrit seulement trois pôles. Bien, moi, je regarde le mandat du comité, M. Bédard. Là, c'est un document officiel qu'on est supposé, on doit adopter ce soir. C'est intéressant d'avoir les points. Des points les plus précis possibles quand on adopte un comité. Je vous répondrai, Madame Hudon, je vous répondrai à ça. C'est que vous avez actuellement, en principe, à Saint-Bruno, vous avez effectivement des gens qui sont au centre-ville de Saint-Bruno, donc des commerçants. Vous en avez aussi le long de la 116, vous en avez le long de la Montée-Montarville. Donc, ces gens-là ont la possibilité d'être représentés. Il y en a quelques-uns dans la salle que je salue en passant. Ils pourront faire partie de ce comité-là. Vous avez aussi au niveau du parc industriel et vous avez aussi au niveau des promenades. C'est sûr qu'on ne peut pas couvrir tous les aspects parce que si on voulait à ce moment-là avoir une représentativité parfaite, on serait obligé d'avoir 25 ou 30 représentants. Cependant, rien n'empêche ces personnes-là qui, eux autres, que ce soit des travailleurs autonomes ou des télétravailleurs, éventuellement d'avoir droit au chapitre, de lever la main et de poser leur candidature pour un des quatre postes parmi les résidents de la ville. Rien n'empêche de le faire. Et c'est dans ce contexte-là qu'on l'a fait. On a voulu aussi s'assurer, justement, pour une bonne représentativité. Donc, autant les intérêts des résidents que les intérêts des acteurs économiques soient bien représentés. On a voulu avoir un poids relativement égal entre les deux types de personnes ou de représentants. C'est pour éviter, justement, que ce comité de développement économique-là soit sous la coupe ou la mainmise d'éléments, de commerçants qui pourraient éventuellement avoir une interprétation autre que celle qui serait peut-être souhaitable d'avoir. Donc, ça évite justement d'avoir un biais qui pourrait être introduit de façon un peu systématique si on y prête guère. Prête pas attention. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que la représentativité, nous avons quatre résidents, nous avons trois représentants des entreprises, nous avons un représentant de la Chambre de commerce, donc vous voyez, vous avez 4-4, et vous avez l'élu qui a été nommé par le conseil municipal pour... piloter ce comité-là. Étant entendu, bien sûr, que l'élu ne peut pas être le président du comité. C'est une personne tierce, comme dans tous les autres comités consultatifs. Fait que pour nous, ça nous apparaissait... on aurait pu, comme j'ai dit, multiplier le nombre de personnes, mais déjà à 9, c'est un gros comité. Donc, pour nous, ça nous apparaissait là, l'élément qu'il fallait juger et jauger. Je vais être d'accord avec vous sur la question du 9. Là. Je pense que c'est suffisant pour un comité. Moi, par contre, je regrette, mais les réponses que j'ai obtenues ne me satisfont pas. Alors, j'ai une proposition. C'est mon droit absolu. Ce n'est pas mon problème. C'est mon droit absolu comme membre du conseil de proposer
de faire une proposition, ce que je vais faire tout de suite. Alors, les copies circulent. Alors, considérant proposition de s'asseoir à la création du comité de développement économique, considérant les questions posées en séance de travail le 10 mars dernier et en séance publique ce soir et les réponses incomplètes ou insatisfaisantes reçues à cet égard, considérant qu'il est de l'intérêt du Conseil de créer un comité de développement économique doté d'un mandat clair et représentatif de l'ensemble de la communauté d'affaires de Saint-Bruno. Quand je dis représentatif, parce que vous avez parlé que des gens pourraient faire essayer de poser leur candidature comme tout simplement comme résident. Mais il y a des gens en affaires qui ne sont pas nécessairement résidents de Saint-Bruno puis qui peuvent être quand même intéressés au développement du développement économique à Saint-Bruno. Considérant que les nouveaux commerces et industries doivent déjà se conformer aux exigences de la réglementation et soumettre leur plan au comité consultatif d'urbanisme qui a toute légitimité de vérifier la concordance de cette demande avec la réglementation, considérant qu'il est impératif de ne pas alourdir davantage les procédures d'implantation de nouveaux commerces et industries, considérant que le processus de mise en nomination des représentants de la communauté d'affaires doit être fait en toute transparence afin de satisfaire aux exigences citoyennes au niveau de l'intégrité des élus, je propose de s'asseoir à la création du comité de développement économique jusqu'à ce que les questions obtiennent une réponse satisfaisante pour les membres du Conseil. Non. Évidemment, j'en fais la proposition. On va réserver les... OK, donc, je demanderai effectivement au niveau de la salle de ne pas intervenir. C'est plus un débat, malheureusement, au niveau de notre conseil. Et puis, non, c'est correct. Que vous applaudissiez, c'est pas grave. C'est parce qu'il y avait une intervention d'une personne dans la salle, tout simplement. Donc, on va passer tout de suite savoir si effectivement il y a un appui par rapport à cette proposition-là. Oui. OK. Commentaire, intervention, sinon on va passer au vote. Oui, tu avais un commentaire? Bien, simplement pour mentionner qu'effectivement, on est d'accord avec vous sur plusieurs points que vous avez mentionnés. Par exemple, doter le comité d'un mandat clair, je pense que c'est le cas. Puis en plus, que ce mandat-là, que ce comité-là soit représentatif de l'ensemble de la communauté d'affaires, c'est le cas aussi parce que, comme on disait, les gens qui sont représentatifs du centre-ville, ça couvre là aussi le rang des 25, le sud 116. En fait, ça couvre l'ensemble du territoire. Alors, je pense que tout le monde qui est en affaires à Saint-Bruno va pouvoir se présenter au niveau pour obtenir un siège comme membre du comité. Alors, dernier point en fait que j'ai noté par rapport à votre proposition, là, c'est que vous souhaitiez ne pas alourdir davantage les procédures d'implantation des nouveaux commerces. Tout à fait d'accord. En fait, le mandat du comité, c'est plutôt l'inverse, là, c'est-à-dire c'est d'encourager l'implantation de certains commerces puis favoriser, dans le fond, le développement économique au centre-ville et au cœur de Saint-Bruno. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout d'alourdir les procédures, bien au contraire, c'est de faciliter les choses. Alors, voilà. Ça va? Non. J'ai le droit. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Attendez, Mme Hudon, vous aviez... Je vais laisser... Okay. Puisque vous me laissez la dernière intervention, je vais retenir mon intervention. Votre troisième considérant fait référence au fait que l'industrie doit déjà se conformer aux exigences de la réglementation et soumettre les plans au CCU. Le CCU, M. Murray vous a expliqué ça faisait quoi. Puis le comité de développement économique n'est pas là pour faire respecter les normes de bâtiment puis la réglementation au niveau d'urbanisme. On veut être là pour s'assurer que les commerçants qu'on veut attirer, s'afficher au niveau de Saint-Bruno pour savoir, pour afficher aux gens quel type de commerce on veut attirer à Saint-Bruno pour avoir une offre plus complète, mieux répartie, qui va mieux répondre à la population. Actuellement, vous le savez, on en a parlé lors du plénier, il y a une problématique de commerce de proximité, les gens ne magasinent pas assez au centre du village et c'est ce qu'on veut redonner comme vigueur au village. Votre réponse à ça a été, ben non, vous avez juste à les laisser ouvrir, puis si ça ne marche pas, ils fermeront. On l'a le résultat de votre administration. Ça fait que moi, je vous dirais là, que quand je vous entends parler puis essayer de nous faire la morale sur l'exactitude, etc., des mandats, là, je trouve que vous en mettez pas mal. Okay. Dernier comment... Je vais prendre un dernier commentaire de Mme Hudon, on va passer au vote. Je pense que, avec les nouvelles règles qui seront en vigueur, peut-être que vous ne laisserez plus passer ce genre de commentaire, M. Murray, mais
Je vous rappelle que quand on parle de projet d'implantation de nouveaux commerces et entreprises, ma question était sur les gens qui arrivaient avec des projets. Ils doivent déjà les présenter au CCU, vous doublez, dans le fond, l'obligation d'avoir à se présenter devant une autre instance. Autre chose, sur la question, quand vous parlez du centre-ville, Mme Archambault, je trouve que vous, tout d'un coup, vous en faites une définition très large. Vous me dites que ça va jusqu'au sud 116, puis ça va aller, je suppose, aussi jusqu'à Monté-Montarville. Là. Quand vous parlez du centre-ville, tout d'un coup, ça prend une dimension beaucoup plus large que les fois que vous en avez parlé les autres fois. Pour finir sur l'intervention de M. Bédard, je pense que dans une économie de libre marché, si quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'un comité de développement économique est tout à fait justifié de se poser des questions ou de s'intéresser à l'offre commerciale qui est présentée sur le territoire de Saint-Bruno, puis très bien faire la promotion, désirer qu'il y ait tel ou tel type de commerce, c'est correct. Mais s'opposer ou avoir des choses à dire sur un projet d'un commerçant ou d'un entrepreneur, je trouve qu'on outrepasse les droits d'une municipalité. Madame Hudon, quelqu'un qui veut se lancer en affaires a le droit de le faire. Madame Hudon, je vais vous interrompre parce que ce n'est pas, je vais le répéter encore une fois, le mandat ne vient pas du comité de développement économique, le mandat vient du conseil. Le conseil demande au comité de développement économique de se pencher sur la question. Il n'a donc pas de possibilité lui-même d'intervenir. C'est ce que je vous dis, que je vous répète depuis tout à l'heure. Et je limite les mises d'intervention là parce qu'on va se rendre... Comme proposeur, j'ai le dernier droit de réplique, M. Murray, alors... Madame Hudon, vous avez le droit à une réplique. J'ai le droit à la dernière réplique selon le règlement de régie interne du Conseil. Né de l'affaire. Le proposeur a le droit à la dernière réplique. Né de l'affaire. Allez-y, Mme Hudon, là. Allez-y. Une dernière, on n'interviendra plus, là. Allez-y. Bon. Alors, donc, je vous... Soyez bref. Je vous redis que même si vous dites que c'est un mandat qui pourrait être donné par le Conseil, je considère que ce n'est pas un mandat qui doit faire partie du pouvoir du Conseil d'intervenir dans une économie de libre marché. Voilà. OK, donc on passe au vote pour la résolution. Vous devez voter sur la proposition. C'est ça, je dis, au niveau de la proposition, la proposition d'amendement. Oui. Donc, en fait, c'est une proposition de rejet, là. Donc, on va proposer proposition de sursoir à la création du comité de développement économique. Je ne lirai pas tout ce qui a été dit ici. Donc, on va voter. Monsieur Lester. Contre. 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 Pour. Pour. Donc, la proposition est rejetée et nous revenons à la première proposition, la proposition initiale. Nous allons donc... Si vous me permettez, M. Murray, étant donné que dans la proposition qui a été rejetée, j'aurais une proposition... comme M. Moquin a bien si bien mentionné que faire une bonne opposition, on va essayer de faire une bonne opposition. C'est une proposition de reconnaître le droit de tous les élus d'assister comme observateurs aux réunions de comités de développement économique. Considérant qu'il est dû devoir des élus de connaître toute information afin de prendre des décisions les meilleures pour sa communauté, considérant qu'un projet de création d'un comité de développement économique peut avoir une influence sur la gestion financière et fiscale de la municipalité et qu'une pleine connaissance des implications réelles à la matière peut influer sur nos décisions, considérant que l'intérêt de toute communauté montarvilloise de permettre l'exercice de la démocratie en toute transparence, je propose que le Conseil reconnaisse le droit à tout élu d'assister comme observateur sans droit de parole ni droit de vote aux réunions des comités de développement économique, car ceci fait partie intégrante de son mandat. Et j'en fais la proposition. OK, donc la proposition est reçue. Ce que vous soulevez comme question, M. Audand, effectivement, c'est tout à fait légitime. Je pense que la question, on se l'est posée nous-mêmes. D'ailleurs, on va regarder pour l'ensemble des comités consultatifs si on doit conserver le huis clos ou si on peut effectivement les ouvrir. On ne peut donc prendre ce comité-là de façon isolée. C'est l'ensemble des comités qu'on doit regarder en tant que si ces comités-là doivent continuer à être à huis clos, parce qu'on a vu une problématique particulière il y a quelques semaines, ou encore si on les ouvre à l'ensemble des élus,
ou à l'ensemble de la population. Je pense qu'à ce moment-ci, moi, je considère que cette proposition-là, elle est prématurée, parce que ça serait de donner un statut particulier à un comité consultatif, alors que les autres ne sont pas soumis aux mêmes règles. Je pense que ça vaut la peine qu'on en débatte entre nous lors d'une prochaine réunion plénière, puis on verra de quoi il peut en retourner par rapport à ça. Comme vous avez mentionné, par exemple, on a discuté, et à un moment donné, il faut ouvrir la porte, puis je pense que c'est une bonne occasion d'ouvrir la porte. Et après ça, on verra, comme vous dites, pour voir tous les autres comités. La réponse que je vous donnerais, c'est qu'il y a des tenants et aboutissants par rapport à ça. Il faut effectivement les regarder. Je ne pense pas que ce soit le moment, ce soir, de régler cette question-là. C'est une question beaucoup plus large que la simple question que vous soulevez par rapport au comité de développement économique. Je pense que ça peut donner lieu à de bons échanges et à de bons débats. De toute façon, juste pour vous préciser une chose, c'est que tous ces comités consultatifs-là, au départ, sont créés, mais il n'y a rien qui empêche, en cours de route, de modifier leur statut, de modifier leur mandat et de faire en sorte que ça corresponde mieux aux besoins de notre communauté. C'est toujours l'optique qu'on a prise et qu'on va continuer de prendre. Mais à ce stade-ci, je peux vous dire, moi, ce qui me concerne, cette proposition-là, elle est prématurée, mais je vais laisser le soin à mes collègues d'intervenir. Vous pouvez commander, M. Mestner? Oui, merci. Je pense que c'est important parce que ça a été mentionné à la période des questions parmi les commentaires. Il y a eu un processus électoral, il y a eu un vote et des gens ont décidé d'élire les personnes qui sont ici. Et nous, et tout le monde autour de la table, je pense qu'on fait nos efforts pour faire valoir nos points de vue qui sont différents par rapport aux deux partis politiques concernés. Et par rapport à ça, pour bien jouer notre rôle, pour nous, on sent le besoin de pouvoir participer parfois à certaines réunions de comités consultatifs. Il y a eu une expérience, on pourra en parler plus tard, il y a eu une malheureuse expérience le 25 février dernier. Je fais une petite parenthèse très courte pour Monsieur Bestner, je vous demanderai de vous limiter à la proposition. Autrement, on va soulever un débat, puis on va s'éterniser. Vous aurez l'occasion d'intervenir finalement à la période au point 11. Alors, ce que je disais, c'est que nous sommes élus démocratiquement, et démocratiquement, je pense qu'on a besoin de l'information relative à l'intérieur des comités. Il y a des rapports qui sont soumis, mais y participer ne nuit pas du tout. Et comme le disait M. Audard, on ne demande pas de vote, on ne demande pas un droit de parole, on demande tout simplement d'assister et d'apprendre ce qui se passe. Bien reçu. D'autres commentaires? Bien, je ne veux pas... Je ne veux pas aller trop au-devant, mais le prochain point à l'ordre du jour, c'est l'adoption du comité d'éthique et de gouvernance. Et donc, ça fait quelques mois qu'on en parle. Ça serait d'ailleurs quelque chose à soumettre, effectivement, à ce comité-là, consultatif citoyen également, toute la question d'intervention ou d'implication politique à l'intérieur de comités consultatifs citoyens, afin de justement d'avoir au moins un minimum d'un firewall pour des comités consultatifs et qui ne deviennent pas justement trop infiltrés par le politique. Donc, il s'agira de se pencher là-dessus parce qu'il y a sûrement des règles aussi là, à définir pour les élus qui sont là en tant qu'observateurs et non nécessairement élus en bonne et due forme sur ces comités-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, historiquement et encore aujourd'hui, dans la plupart des cas, sinon tous, il n'y a seulement qu'un élu qui siège sur ces comités-là. Dans aucun cas, il est présidé par un élu. Et donc, moi, ce que je proposerais pour l'instant, c'est de le mettre de côté. Je vous dis, c'est une idée à se pencher, mais je le soumettrais d'ailleurs au comité d'éthique et de gouvernance, assumant qu'il va être adopté au prochain point. Nous sommes prêts à passer. Oui, tu as un commentaire? Oui, c'est sûrement aussi important de souligner que tous les élus ont droit aux procès-verbaux de tous les comités consultatifs. Alors, l'information est disponible, même si vous n'assistez pas au comité consultatif, vous pouvez savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Toute l'information est là et est disponible. Si vous me permettez, M. Murray, je vais faire un commentaire moi aussi, parce que plusieurs de mes collègues en ont fait. Bon, vous dites qu'on a accès aux procès-verbaux, je veux bien, mais on le voit aussi pour ce qui est des procès-verbaux de l'Assemblée, des séances publiques. Évidemment, un procès-verbal rapporte l'essentiel,
Et il ne met pas, en exergue toutes les questions ou toutes les réponses qui ont été faites. On rapporte essentiellement les décisions qui ont été prises, alors que de comprendre des fois l'évolution du dossier, comment la pensée a été structurée au niveau de la décision, ça peut être aussi important. Vous avez fait mention, ça a été fait mention effectivement à la période de questions qu'il y a eu des élections. Je vous rappelle que nous avons été élus tout le monde au même titre. Monsieur Murray, vous avez été élu avec 45%. On reconnaît tout à fait la pertinence de votre Madame élection. Madame Hudon, je rappelle juste que 55% des gens Madame n'ont pas voté Madame Hudon, pour vous. Madame Hudon, là, vous êtes hors d'ordre. Je pense qu'il faut discuter de la proposition. Je pense que ça justifie ce n'est pas la demande. Ça justifie Madame la Hudon, Madame Hudon, hors d'ordre. Vous êtes hors d'ordre, Madame Hudon. Je demanderai de respecter le décorum, là. Vous êtes hors d'ordre. Malheureusement, on discute d'une proposition, on discute sur le fond, et non pas nécessairement sur le processus électoral. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres interventions? Sinon, on passe au vote. J'aimerais faire une proposition, ce soir, de, effectivement, soumettre cette proposition au comité d'éthique et de gouvernance. On va d'abord en disposer. C'est vraiment hors d'ordre, ça. Madame Archambault? Donc, on va voter sur la proposition qui est sur la table. Proposition de reconnaître le droit de tout élu d'assister comme observateur aux réunions comité de développement économique. Donc, je demanderai le vote. Alors, pour? Monsieur le maire, excusez-moi, il y a eu un proposeur, il n'y a pas eu Ah oui, il n'y a pas eu de l'appui. Qui appuie? Je vais lever la main. Parfait. On s'excuse. On pourrait se proposer. Donc, on vote maintenant sur la proposition. Vous êtes pour? Oui, pour. Madame Mallary? Contre. Pour. Donc, la proposition est rejetée et, comme le disait M. Guévremont, nous allons effectivement ramener ce dossier-là à d'autres instances pour qu'on puisse le regarder dans son ensemble. Donc, on revient à la proposition principale qui était la création du comité consultatif de développement économique, nomination de représentants de la ville de Saint-Bruno. Donc, il est proposé par... Jacques Bédard, appuyé par Michel Archambault, et je demande le vote sur la proposition. Donc, M. Bester. Contre. Pour. Pour. Contre. Donc, la proposition est adoptée à la majorité. Merci. Donc, on passe au point suivant, le point 7.1.6, création du comité consultatif d'éthique et de gouvernance et nomination d'un représentant de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Vous voyez le libellé du mandat qui apparaît à l'écran. Donc, de créer le comité consultatif d'éthique et de gouvernance, d'adopter le document décrivant l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif d'éthique et de gouvernance du mois de mars 2014, de nommer le conseiller Martin Guévremont à titre de représentant de la ville de Saint-Bruno au sein de ce comité. Donc, je reçois vos commentaires à ce stade-ci. Oui. Allez-y. Alors, on reformule la même chose que tantôt pour le point précédent concernant le comité de développement économique. Donc, on fait une proposition, je fais une proposition de reconnaître la présence des élus aux réunions du comité d'éthique et de gouvernance pour les mêmes raisons invoquées. Ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires? J'ai simplement une question, en fait, Madame la greffière. Je voudrais savoir, quand on reçoit une proposition comme ça, là, elle n'est pas encore appuyée, là, mais disons qu'elle est, est-ce qu'on peut faire une contre-proposition sur cette proposition-là, en fait? Parfait, merci. OK, donc nous allons débattre de la proposition 7.1.6, de reconnaître la présence d'élus aux réunions du comité d'éthique et de gouvernance. Est-ce qu'il y a des commentaires, des interventions, ou est-ce qu'on peut ajouter ce qu'on a déjà dit par rapport à la question précédente? Ou est-ce qu'on est prêt à passer au vote? Ben, très rapidement, simplement, je pense qu'on a fait le tour de la question à l'autre. Ça va? Donc, on est prêt à passer au vote? Monsieur le maire, allez-y. Ça prend l'appuyeur. J'appuie. Qui appuie? Madame Hudon. OK, donc on passe maintenant au vote. Monsieur Bessner. Alors, pour... Oui, tu as fait une contre-proposition? Oui.
sur ce point-là, en fait, là, sur l'essence du débat qu'on vient d'avoir, moi, j'aimerais contre-proposer le fait de soumettre la proposition au comité d'éthique et gouvernance. On va voter sur la proposition. Ouais, après ça, on viendra sur une... on est au vote de la proposition. Oui, mais si une proposition, par exemple, on désire ne pas la rejeter nécessairement parce qu'on la trouve légitime, mais on voudrait justement la soumettre à un comité avant de pouvoir se prononcer. C'est ce que je souhaite. Pour qu'elle soit acceptable par tout le monde. Oui, parce que là, on la rejette, mais en fait, sur le fond, c'est pas qu'on la trouve farfelue ou quoi que ce soit, simplement qu'on voudrait avoir l'avis du comité d'éthique et de gouvernance. Par contre, là, il n'est pas encore constitué, là, c'est le défi, mais je pense que ce serait intéressant qu'on puisse lancer la question plutôt que de la rejeter. Si vous voulez la modifier, vous pouvez suggérer de la modifier et puis on pourra voter, mais je pense qu'il faut voter sur la proposition, c'est certain. Initial, d'abord. Mmh. OK. C'est ça que vous avez fait précédemment. Oui. Donc, si vous voulez... Procéder de façon systématique. La... OK. Donc, on procède... il a été appuyé. Donc, M. Bester? Oui, pour. Contre. 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 Pour. Pour. Donc, la proposition telle qu'elle est libellée est rejetée. Nous avons aussi Mme Archambault qui est prête à faire une contre-proposition. Tout simplement pour la soumettre, cette question-là, dans le fond, au comité d'éthique et de gouvernance. Vous me direz si c'est possible, parce que là, on est sur le sujet d'adoption du comité, là. Mais j'aurais bien aimé pouvoir le soumettre ultérieurement. Et soumettre votre contre-proposition. La contre-proposition étant, pouvons-nous, dans le fond, demander la question de reconnaître la présence des élus aux réunions du comité d'éthique et de gouvernance, soumettre cette question-là au comité d'éthique et de gouvernance? Pour qu'eux-mêmes puissent statuer sur ce dossier-là. Est-ce qu'elle peut proposer sur un comité qui n'est pas encore formé? C'est ça la question. Votre proposition était sur l'adoption du comité. Vous avez fait une proposition. Mme Archambault fait une contre-proposition, la proposition qui était présentée. Oui, elle a pu la présenter. De même. Bon. Je vais en faire la proposition. Si quelqu'un veut m'appuyer, en fait, ça pourrait être un je pense que c'est intéressant de donner ce mandat-là au comité d'éthique et de gouvernance. Comme en fait, j'élargirais, c'est sur l'ensemble des comités. Pour l'ensemble des comités, effectivement. Ça vous va? Présence des élus sur l'ensemble des comités consultatifs de la Ville. Moi, j'aimerais apporter un commentaire suite à la proposition de Mme Archambault. J'aimerais qu'on comprenne bien que nous sommes les élus, les noficiers, et que, par conséquent, on devrait être en mesure de décider nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, par rapport aux élus, plutôt que de demander à des gens sur un comité leur opinion à cet effet. Je vais user de mon droit de réplique simplement pour vous répondre que la majorité des décisions qui sont prises en conseil sont soumises à des comités consultatifs et généralement, on s'appuie sur leur expertise pour prendre des décisions éclairées. On a toujours le libre arbitre, ça, effectivement, mais les comités consultatifs sont là, finalement, pour nous fournir un avis, une expertise et je pense qu'on devrait en bénéficier. C'est simplement pour ça que je soumets la proposition. OK. Moi, je vais faire un commentaire aussi. C'est l'intérêt de toute la communauté, puis c'est en rapport avec votre problème, avec votre programme électoral où vous avez permis, en tout cas, vous avez vanté l'ouverture et la transparence. Si on veut vraiment exercer la démocratie en toute transparence, je pense que de permettre à des élus qui ont été élus, tous au même titre, de participer, puis on demande quand même seulement qu'un droit d'observer, donc ni droit de vote, ni droit de Madame parole. Madame Hudon, là, vous intervenez sur la contre-proposition. Là. Je pense que de reporter... Alors, oui, je vais, si vous me laissez le temps de finir ma pensée, je pense que de reporter une décision de cette nature-là à un comité et de, d'une certaine façon, de laisser en balance le droit des élus d'être, de participer et d'être au courant des discussions, ce n'est pas l'exercice de la démocratie en toute transparence, c'est de reporter à plus tard. On s'entend que le comité n'est pas formé, donc ça reporte à plus tard ce droit-là qui devrait être reconnu tout simplement aux élus pour une question de transparence. OK. On va d'abord demander d'autres commentaires par rapport à la contre-proposition, sinon on va demander un appuyeur. Un simple commentaire, tout simplement pour dire que, en bout de ligne, on est un peu juge et partie dans ce dossier-là, dans le sens qu'on tente de décider de nous-mêmes à savoir si
on pourrait, tous les élus, intervenir à l'intérieur d'un comité consultatif qui se veut, après ma barre, un comité consultatif citoyen. Et donc, en bout de ligne, je suis un peu mal à l'aise de ne pas soumettre ça justement à un comité qui sera formé pour se pencher sur ce type de décision-là qui a rapport avec l'éthique et la gouvernance d'une municipalité. Alors voilà. OK, donc on passe. Est-ce qu'il y a une personne qui appuie la contre-proposition de Mme Archambault? Martin Guevremont? OK, on va passer au vote maintenant. Qui est pour la contre-proposition? Contre. Pour. 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 Contre. OK, donc la contre-proposition telle que libellée, donc de soumettre la présence d'élus aux réunions non seulement du comité éthique et gouvernance, mais sur l'ensemble des comités, sera éventuellement amenée au comité éthique et gouvernance. Nous revenons donc à la proposition principale, qui est celle de la création du comité d'éthique et de gouvernance. Donc, vous avez vu à l'écran le mandat du comité. Nous en sommes maintenant rendus. On va lire le libellé tel quel. Donc, création du comité consultatif, il est proposé par... est résolu de créer le comité consultatif d'éthique et de gouvernance, d'adopter le document décrivant l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif d'éthique et de gouvernance du mois de mars 2014, de nommer le conseiller Martin Guevremont à titre de représentant de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville au sein de ce comité. Qui appuie? Qui propose? Je propose. Michel Archambault, qui appuie? J'appuie. Isabelle Bérubé, on va passer au vote maintenant. J'aurais un commentaire. Oui. Alors, le commentaire, c'est que il y a eu dans le journal une annonce qui est parue pour un appel de candidature pour ce cas. Juste Mme Tousignan essaie de parler. Monsieur le maire, c'est pas que je vais intervenir, mais c'est parce que là, vous êtes passé au vote, il y a eu les propositions, contre-propositions, et là, vous êtes en train de faire un vote, et le règlement est très clair. Une fois qu'on passe au vote, le vote doit se tenir sans intervention. Parfait. OK. Donc, on revient, M. Bessner. Vous êtes pour, contre l'adoption du règlement? Non, mais parce que là, on demande le vote. Par rapport à la proposition. Donc, il y a eu une proposition, ça a été proposé et appuyé. On passe au vote. Je répète, contre. Pour. Contre. OK, donc le comité adopté à la majorité. Merci. On passe au point suivant. Donc, nous en sommes rendus au point 7.2.1. Adjudication d'un contrat de fourniture d'un service de publication d'avis public sur le territoire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Il est proposé et résolu d'adjuger le contrat de fourniture d'un service de publication d'avis public sur le territoire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour une année à compter du 1er mai 2014, avec 4 années d'option au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir les versants du Mont Bruno incorporé, selon les prix unitaires soumis pour un total approximatif annuel de 12 760 excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il appert de l'appel d'offres APP-SI-14-03. Qui propose? Marie-Lou, qui appuie? Jacques Bédard? Est-ce que vous avez... Il n'y a pas de questions, pas de commentaires, ça va? OK. Donc, adopté. Nous en sommes maintenant au point 7.2.2. Permission de voirie, intervention d'urgence sur les réseaux d'aqueduc et d'égout sur les routes du ministère des Transports du Québec situées sur le territoire de la ville de Saint-Bruno. Il est proposé d'accepter les conditions reliées à la permission de voirie numéro 8606-13-0614 émise par le ministère des Transports du Québec à la ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour la période s'étendant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, autorisant celle-ci à effectuer des interventions d'urgence sur les réseaux d'aqueducs et d'égouts sur les routes du ministère situées sur le territoire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville et d'autoriser la directrice générale, Mme Hélène Lamelin, a signé pour et au nom de la municipalité l'engagement à respecter les conditions du ministère des Transports du Québec contenues dans la permission suspensionnée ou subventionnée. Qui propose? Jacques Bédard, qui appuie? Marie-Lou Allary. Commentaires, questions? Donc, approuvé.
Ressources humaines, le point 7.3, il n'y avait aucun point aux ressources humaines. 7.4, maintenant, finances, je laisserai la parole à Mme Michèle Archambault. Bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le détail des dépenses qui vont être autorisées ce soir au point 7.4.1. Alors, il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la Trésorerie et des technologies de l'information au 26 février 2014 pour un montant total de 9 590 775 $ et 45 sous, incluant les charges salariales de 643 123 $ et 57 sous pour les périodes 6 à 9. La liste des chèques émis pour une somme de 8 353 806 $ et 32 sous, ainsi que la liste des paiements par débit direct pour un montant de 593 845 $ et 56 sous. Alors, vous avez à l'écran le détail de chacun de ces montants, de ces trois composantes. Pour les chèques émis, vous allez voir que dans le 8 millions, il y a réellement une dépense qui s'en va à la ville de Longueuil. Ça, c'est le montant pour la cotisation, la quote-part, finalement. Donc, un 6 400 000, très exactement, qui s'en va pour une des périodes. Alors, on aura quelques paiements comme ça dans l'année. Vous avez une taxation particulière pour ce montant-là. Donc, ce n'est pas des montants qui vont, dont on se sert. Ce n'est pas une dépense à la charge de la municipalité de Saint-Bruno. Toujours à la ville de Longueuil, vous avez un autre montant pour l'utilisation de l'eau, parce que vous savez qu'on tire l'eau de la ville de Longueuil. Alors, on a un montant de 139 000 $ à peu près 140 là, qui s'additionnent à ça, puis un dernier montant de 51 000 là, pour d'autres dépenses diverses qu'on paye à la ville de Longueuil. Sinon, les autres dépenses d'intérêt, là, il y a une dépense de 428 000 $ qui inclut en fait des travaux de réhabilitation des postes de surpression à la ville de Saint-Bruno qui sont réalisés par la firme Nordmec Construction. Ça, c'est toujours donné par appel d'offres. Là. Donc, ce n'est pas des surprises ici, ce qu'on voit passer, c'est des choses préapprouvées de toute façon au niveau du conseil municipal. Vous avez une dépense de 123 000 $ pour les cotisations de régime de retraite. Ça, c'est toujours des montants qui sont prévus à même la rémunération, donc à même les charges salariales et les avantages sociaux. Et puis, un montant de 103 000. On voit ce montant-là à répétition, là, mois après mois. En fait, c'est parce qu'on a une entente avec PG Solutions pour s'occuper de nos services de technologie de l'information. Donc, il y assure un support. Voilà, c'est le montant forfaitaire qu'on paie. Puis, un montant de 70 000 pour un dossier litigieux. Donc, ça, c'est la portion des dépenses. Pour le reste, vous avez tout ce qui se paie par débit direct. Là. C'est des virements automatisés. La majorité de ces montants-là, en fait, c'est simplement de la rémunération aussi. Vous avez des montants d'impôts qui sont prélevés directement de la paie des employés pour un montant de, je vous dis ça, 255 000 $ Sinon, les avantages sociaux pour un total de 222 000 $ les autres dépenses, Hydro-Québec, gaz métropolitain, ça, c'est des montants qu'on paie pour l'éclairage de nos rues, par exemple, aussi le chauffage de nos bâtiments municipaux. Donc, tout ça est payé de façon régulière par virement automatique. Et finalement, la dernière portion, évidemment, les paies pour chacune des périodes, là, qui est des montants assez similaires période après période pour un total de 543 000 $ si je vois bien, là, c'est écrit un petit peu, 643 000 $ Alors, si vous êtes d'accord, je propose d'adopter ces dépenses-là pour la période visée. Qui appuie? J'appuie. Pas de questions, pas de commentaires, ça va. Donc, on passe au point suivant. Le point 7.5, loisirs, culture et vie communautaire. Je laisse la parole à Mme Marie-Lou Allary. Donc, aide financière au théâtre Saint-Bruno Players pour 4 productions théâtrales de 2014. Alors, je propose d'accorder une aide financière de 1 500 $ au théâtre Saint-Bruno Players pour l'ensemble de ces productions théâtrales de 2014. Vous voyez à l'écran là, les dates des représentations françaises et anglaises. Donc, qui appuie? J'appuie. Martin Guevremont, questions, commentaires? Ça va, donc adopté. 7.5.2, aide financière et soutien technique au Club de patinage artistique de Saint-Bruno pour le spectacle annuel 40e édition. Il est proposé d'accorder un soutien technique ainsi qu'une aide financière de 800 $ au Club de patinage artistique de Saint-Bruno pour l'organisation de sa revue annuelle présentée les 12 et 13 avril 2014 à l'Aréna Michael Bilodeau dans le cadre de son 40e anniversaire. Alors, j'en fais la proposition. Jacques Bédard, commentaires, questions? Quelques précisions, dont 800 $ c'est 20 $ par année fois 40 ans, donc c'est ce qui explique le montant de 800 $ l'événement a lieu les 12 et 13 avril prochains, donc on vous invite, à tous ceux qui ont l'occasion
qui ont la possibilité d'aller voir ce spectacle-là qui est quand même intéressant. 7.5.3, alors il s'agit d'une aide financière et soutien technique à l'organisation de la marche Minta 2014. Donc, je propose d'accorder une aide financière de 800 $ à la paroisse Saint-Bruno-Minta-Saint-Bruno, ainsi qu'un soutien technique pour contribuer à l'organisation de la marche Minta dans les rues de Saint-Bruno-de-Montarville le 3 mai 2014. De fournir gratuitement les locaux et le soutien en personnel de la direction des travaux publics et de la direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Et d'obtenir la collaboration du service de la police de Longueuil aux fins du bon déroulement de cette activité. Appuyé par Martin Guevremont. Questions, commentaires? Commentaire, M. Murray? Oui, allez-y. Juste pour que le monde le sache, Minta, ça existe à Saint-Bruno depuis 1970. Un événement qui se passe tous les années ici, par de l'Église. Cette année, ils ont 9 projets, dont en Bolivie, Cameroun, Guatemala, Haïti, Lesotho, Pérou et Rwanda, et 2 en Madagascar. L'année passée, si je ne me trompe pas, on n'était pas loin de 300-350 personnes pour marcher, pour les encourager. Fait que je pense que c'est quelque chose, le premier samedi du mois de mai, si vous êtes disponible, c'est un bon événement, puis une petite marche de santé. Effectivement, c'est le samedi 3 mai et la marche est d'environ 5,1 km dans les rues de Saint-Bruno. Ça fait qu'on vous invite à y participer. Merci, M. Audard. Point suivant. Le point 7.5.4. Est-ce que je vais ou... Oui. Oui. Adoption du plan d'action 2014-2015 à l'égard des personnes handicapées. Donc, je propose d'adopter le plan d'action 2014-2015 à l'égard des personnes handicapées et d'autoriser la mise en œuvre des recommandations qu'il comporte. Donc, vous avez ici à l'écran, c'est en vertu de l'article 61.1 là, d'une loi assurant l'exercice des droits. Un premier plan d'action est adopté en décembre 2006. Il a été revisité et révisé en février 2012. Et on a une troisième version de ce plan d'action-là qu'on adopte aujourd'hui. Il devrait être disponible dès demain ou après-demain là, sur le site web de la ville de Saint-Bruno. Donc, vous allez pouvoir le consulter. Qui appuie? Madame Archambault. Questions, commentaires? Ça va. Donc, on est rendu maintenant au point 7.6, développement urbain. Madame Allary. Oui. Alors, 7.6.1. Il s'agit d'une dérogation mineure, DM 2013-093, pour autoriser les logements en sous-sol aux immeubles situés au 1269, 1271, 1275, 1279, 1281, 1283, 1285 et 1229 rue des Tilleuls. Alors, il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure, DM 2013-093, déposée par M. Rénal Douville pour et au nom de projet domaine des Tilleuls SEC, condominium Strauss, pour autoriser les logements en sous-sol aux immeubles cités plus haut. Donc, sur la rue des Tilleuls, malgré l'interdiction libellée à l'article 51 du règlement de zonage URB Z2009, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1309-17.13 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. J'aurais une question. Allez-y, Mme Hunot. Il a été question d'une rencontre récente avec le promoteur. Pour satisfaire aux exigences en matière de lobbyisme présentées par le commissaire lors de sa formation du 26 février dernier, pouvez-vous nous dire à quel moment, à quel endroit s'est tenue cette réunion, qui était présent et quels sujets ont été discutés lors de cette rencontre? La rencontre a eu lieu précisément, je sais que c'est en février, la date exacte, je ne l'ai pas en mémoire, mais nous avons rencontré effectivement le promoteur à notre demande. Donc, étaient présents moi-même, Mme Allary, Mme Hamelin et puis M. Larose et puis M. Coutu. Donc, c'était pour s'informer auprès du promoteur immobilier s'il y avait des possibilités au niveau du projet comme tel de faire un petit peu différent. Et ce qui explique le petit commentaire en bas là, que vous voyez, c'est qu'on a regardé d'autres avenues. Malheureusement, le projet tel qu'il a été présenté, c'était difficilement imaginable de faire autre chose. Vous savez que ce promoteur-là, avec ce projet-là, a beaucoup de difficultés à vendre ses unités de condo pour une problématique de prix, des prix très élevés par rapport à la situation le lieu où sont localisés ces condos-là. Donc, ce qui fait qu'il a demandé effectivement une dérogation mineure pour créer des logements sous-sol et éventuellement dans les projets connexes, donc dans les...
les bâtisses connexes d'avoir un étage de moins, ce qui lui permet d'éviter les structures en béton et donc des structures très coûteuses et éventuellement de réduire le prix de ses condos. Donc, c'était une rencontre uniquement pour s'informer auprès de lui de la faisabilité. Il s'est avéré après coup que l'option qui aurait pu être imaginée ou amenée posait problème, là, entre autres au niveau de la réglementation municipale. Donc, nous sommes revenus avec la proposition première, étant entendu qu'évidemment, on est coincé un petit peu avec un dossier qui, au départ, je pense que le promoteur a peut-être pu évaluer son marché différemment, mais en tout cas, il en était rendu là. Et c'est pour finalement rencontrer des besoins qui sont impératifs dans son cas que nous avons décidé de soumettre le projet, même si à ce stade-ci, on est plus ou moins à l'aise avec le concept comme tel des logements sous-sol, parce que c'est une dérogation mineure, ce qui n'était pas permis jusqu'ici à Saint-Bruno. Mm-hmm. Commentaires, questions? Ça va? Vous avez sûrement vérifié qu'il était inscrit au... Oui. Mais on... Pas besoin, c'est l'administration qui l'a inscrit. Non, mais de toute façon, il a été inscrit aussi. Fait qu'il n'y a pas de problème. Si vous l'avez lors de la séance, là, quand la ville invite un promoteur, il n'y a pas besoin d'être inscrit. C'est quand le promoteur veut vous rencontrer, sollicite une rencontre, c'est lui qui fait du lobbyisme. Nous, on ne faisait pas d'exercice de lobbyisme. En tout cas, je ne ferai pas de discussion là-dessus avec Merci. Vous autres. Vous avez répondu à ma question, mais je pense que... Parfait. Ça a été fait en toute bonne foi, je peux vous le dire. Puis, en passant, l'agenda dont on parlait dans les journaux va être rendu disponible incessamment. Donc, c'est une question un peu technique, là, parce qu'on a aussi, bien sûr, des promoteurs qu'on rencontre, mais il y a aussi des individus qui viennent nous rencontrer. Donc, c'est pas toujours évident de... On va s'assurer de caviarder des noms de personnes qui viennent nous rencontrer pour des dossiers particuliers. Donc, on va faire en sorte que notre engagement à cet égard-là soit accessible au plus grand nombre. Donc, les gens vont pouvoir consulter l'agenda et les diverses rencontres qu'on a eues avec les différentes personnes. Et pour quelles raisons? Prochainement. Monsieur Murray, je pense que c'est, si vous Donc, me permettez. Donc, on passe au qui appuie? Oui. Alors, moi, je propose. Qui appuie? Commentaire, question? Ça va? OK. Le point suivant est du même ordre. Donc, 7.6.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc PIA 2014-002. C'est le 7.6.2. Ah. Monsieur le maire. Ah, j'ai... Oui. Pardon. Sur la dérogation mineure, il faudrait juste demander s'il y a des membres de l'audience qui s'opposent ou qui ont des questions. Pas qui s'opposent, mais s'ils ont des questions. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui s'opposent ou ont des questions par rapport à cette dérogation mineure-là? Oui. Oui. C'est possible qu'il y ait une petite erreur. Non, parce que le document officiel, il est ici. Il n'est pas. Ça, c'est plus à titre illustratif. On s'excuse. Une erreur d'inattention. On va faire mieux la prochaine fois. Allez-y, Mme Allary. 7.6.2. OK, mais moi, je... C'est... Ah, ben là, non, moi, je l'ai... Donc, je suis rendue... C'est le PIA? C'est ça oui. qui est important? Le 2013-091. Je suis là, 5 ans. Oui, parfait. Donc, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2014. Non, ben je ne l'ai Excusez-moi, pas. Excusez-moi, okay. M. le maire. Oui. La dérogation, je vous ai interrompu, mais on n'a pas procédé au vote. Alors, c'est Mme Allary qui a proposé. Oui, avec appuyé. Puis on a demandé s'il y avait des commentaires, des questions, puis il n'y avait pas tout le monde semblait d'accord. Donc, il y a unanimité à cet égard. 7.6.2, donc maintenant. OK, excusez-moi. Donc, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-091 pour la construction de 8 bâtiments résidentiels de 2 étages et de 7 logements chacun et d'une piscine creusée au 1269 à 1299, rue des Tilleuls. Alors, je propose d'approuver la demande de PIA 2013-091 déposée par M. Rénal Douville pour et au nom de projet domaine des Tilleuls SEC Condominium Strauss pour la construction de 8 bâtiments résidentiels de 2 étages et de 7 logements chacun et d'une piscine creusée au 1269 à 1299 rue des Tilleuls et ce aux conditions énumérées à la résolution 130917.11 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Qui appuie? J'appuie. Isabelle,
Commentaires, questions? Ça va, donc adopté à l'unanimité. 7.6.3 maintenant. Merci. Donc, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2014-002 pour l'installation d'une enseigne murale au 1430 rue Urquhart. Donc, je propose d'approuver la demande de PIA 2014-002 déposée par M. Martin Lamotte de Clearcom pour et au nom de M. Pierre Bourdon pour l'installation d'une enseigne murale au 1430 rue Urquhart et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1402-19.6 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 19 février 2014. Qui appuie? OK, Jacques Bédard. Commentaires, questions? Ça va. OK. 7.6.4, l'appui maintenant à Nature Action. Donc, il s'agit d'un appui à l'organisme Nature Action Québec pour le projet de protection et de mise en valeur du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. Considérant que Nature Action Québec est promoteur du projet de protection et de mise en valeur du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno depuis 2005, considérant que l'objectif de ce projet est de protéger et mettre en valeur l'intégrité écologique des boisés qui forment le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, de conserver et rétablir la connectivité entre les milieux naturels. Oui. C'est un... Excusez-moi. Correct. T'as pris l'eau. C'est une résolution tellement importante en plus. Je vais prendre une note de tout. Okay. Manuellement, c'est ça. Donc, considérant que l'objectif de ce projet est de protéger et mettre en valeur l'intégrité écologique des boisés qui forment le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, de conserver et rétablir la connectivité entre les milieux naturels et de contrer la fragmentation de ceux-ci. Considérant que plusieurs milieux naturels de ce corridor ont été identifiés comme bois et corridors forestiers métropolitains d'intérêt écologique par la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, voilà. C'est lui qui a tout attrapé. On s'excuse de l'intermède. Ce 30 secondes est commandité par... Par la greffière. Nature Action. Les milieux humides. OK. Donc, oui, ben oui, ça fait du bien. Considérant que le projet devrait permettre à la Ville de maintenir ou d'accroître la biodiversité sur son territoire, notamment en assurant la protection des espèces à statut particulier par le biais de démarches de conservation volontaires. Considérant que le projet favorise une gestion intégrée des ressources naturelles, considérant que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est favorable à la réalisation de ce projet sur son territoire, pourvu qu'il soit réalisé avec la collaboration des propriétaires concernés et en respect des règlements municipaux de la Ville. Je propose d'appuyer l'organisme Nature Action Québec pour le projet de protection et de mise en valeur du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. OK. Quelques commentaires, juste pour vous dire, Sainte-Julie est déjà adhérent. Vous avez Saint-Basile, Carignan, Chambly, donc Saint-Bruno était jusqu'ici le seul. Donc, je pense qu'il est nécessaire à ce stade-ci, compte tenu du PEMAD et de tout ce que ça implique, la priorité qui est donnée au corridor forestier. Donc, ce n'était que tout naturel qu'on considère cet appui-là aujourd'hui. Donc, qui appuie? J'appuie avec beaucoup de plaisir, M. le Président. Commentaires, questions? Ça va? OK, parfait. Alors, location d'une terre agricole. Il s'agit du lot 1,908,764 et 1,912,976 et 1,912,975, M. André Dubois, agriculteur. Il est proposé de louer ces lots
à M. André Dubois, agriculteur, selon les termes et conditions mentionnés au contrat de location de terrain préparé par la Direction du développement urbain et d'autoriser le directeur du développement urbain à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de location du terrain. Vous avez quelques informations sur le dit terrain qui appartient à la ville. Donc, c'est un terrain de un peu plus de 636 000 m2 qui est en zone agricole et qui est exploité par un monsieur qui a décédé, donc c'est son, qui est décédé en janvier dernier, donc c'est son frère qui reprend le terrain comme tel et qui va l'exploiter pour la culture du soya et du blé. C'est un bail de 2 ans au montant annuel de 32 000 $ qui est renouvelable annuellement. Puis si on regarde, par exemple, en termes de coûts de location, du côté de Longueuil, les coûts de location, c'est 1 $ du 100 mètres carrés ou du 1000 mètres carrés, je ne me souviens plus exactement, mais donc comparativement au niveau du privé, qui est à peu près à 200 $ ce coût de location-là est pour le monsieur en question est autour de 500 $ Donc, la ville n'est pas perdante, bien au contraire, compte tenu du marché actuellement. Qui appuie? J'appuie. Michel, et qui? Question, commentaire, ça va? Nous en sommes donc au point 7.7, greffe et contentieux, 7.7.1. Je laisserai la parole à M. Martin Guevremont pour... Merci. Alors, c'est le mandat pour les procureurs de la Ville devant la Cour municipale de Longueuil, donc principalement pour la Cour municipale. Il est proposé de mandater le cabinet d'avocats Dufresne-Hébert-Comeau afin d'agir à titre de procureur de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville devant la Cour municipale de Longueuil et la Cour supérieure du district judiciaire de Longueuil pour les dossiers portés en appel, et ce, pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017, le tout tel qu'il appare de l'offre de service de ce cabinet. Alors, je propose. Qui appuie? J'appuie. Commentaire, question? Oui, commentaire. Okay. Alors, on n'en fera pas une longue histoire, sauf que lors de la session de travail, il y a une semaine, j'ai fait part de mes commentaires. J'ai dit que je les répéterais au niveau du conseil. Depuis de très nombreuses années, nous avons la firme d'avocats Bélanger-Sauvé. La relation est très bonne, la satisfaction est là et élément très important, c'est ce bureau d'avocats-là qui représente les 5 villes de l'agglomération de Longueuil. Donc, c'est un élément important dans la décision. Je n'ai rien contre la firme qui est proposée là. Honnêtement, je ne la connais pas, sauf que j'aurais préféré continuer avec la même firme. On les connaît, ils nous connaissent et pour cette raison, je vais voter contre la proposition. Mais je ne vote pas contre cette firme-là. Je vote pour le maintien. Je pourrais faire une proposition, mais je pense que la proposition serait battue. Alors, je voulais au moins l'exprimer. Merci, M. Bessner, de vos commentaires. Bon, j'ajouterai quelques éléments additionnels, tout simplement que, évidemment, on a été en appel d'offres. La firme est un petit peu moins coûteuse. Et puis, les dossiers qu'elle aura à régler, c'est les dossiers de cour municipale. Donc, il n'y a pas nécessairement d'expertise à cet égard-là. Moi, qui suis comptable de formation, nous autres, au niveau de notre profession, en fait, au niveau des auditeurs, on essaie de changer régulièrement d'auditeur. Donc, on demande à nos clients de prendre des auditeurs différents tous les 5 ans, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Donc, c'est dans cette optique-là que l'on inscrit ce changement-là. Et effectivement, Hébert-Comeau est une firme très connue. Donc, c'est elle qui donne la formation pour l'Union des municipalités du Québec. Toute la formation que les élus ont reçue sur l'éthique et sur différents dossiers. Donc, c'est une firme qui est très connue. C'est une des 3 firmes. En fait, les 3 firmes qui ont été pour lesquelles on a demandé une offre de service, c'était des firmes qui étaient aussi très qualifiées, très connues dans le milieu municipal. Donc, pour nous, on était très à l'aise avec l'une ou l'autre de ces firmes-là. Et on pense qu'à ce stade-ci, ce qui n'est pas mauvais d'avoir un joueur différent à cet égard-là, compte tenu de l'expertise et que pour nous, ça ne nous pénalisera pas. Mais je reçois quand même le commentaire de M. Bessler. D'autres commentaires, d'autres interventions, ça va? OK, on va passer. Qui appuie? C'est M. Martin avait proposé. Puis Jacques avait appuyé. Donc, on va passer au vote, je présume. Donc, M. Bessner, vous êtes contre? Contre. Pour. 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 Merci. Donc, on passe au point suivant. Avis de motion, projet de règlement et règlement.
Le premier règlement, c'est le 8... 7.9. Ah, j'ai sauté par-dessus. Bien, pourtant, c'est important. Bien, oui. Quand il s'agit d'argent, je passe par-dessus rapidement. Donc, adjudication d'un contrat de travaux de réfection du pavage et des fossés du Grand Boulevard Ouest entre la rue des Bollets et la montée Daniel. Donc, il est proposé d'adopter... Bon, je vais prendre mon petit document avant. Il est proposé d'adjuger conditionnellement l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le contrat des travaux de réfection du pavage et des fossés du Grand Boulevard Ouest entre la rue des Bollets et la montée Daniel au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie construction d'IJL incorporée, selon les montants unitaires prévus à la soumission pour un montant total approximatif de 641 502,83 $, taxe nette, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres GEN-2014-05. Petit commentaire aussi en passant. Bon, évidemment, on a reçu 8 soumissions, c'est la plus basse. Coût des travaux, 641 000. Ce qui avait été prévu initialement, c'est 910 943 $, donc un écart quand même assez substantiel en notre faveur. Et ça s'explique en bonne partie par le fait qu'on sorte très, très tôt en début de saison. Donc, on a l'avantage d'avoir des prix qui sont plus intéressants que si on vend l'appel d'offres au mois de juillet. Donc, c'est une heureuse nouvelle. Qui appuie? Qui propose? Jacques Bédard. J'appuie. Qui appuie? Isabelle Bérubé. Commentaire, question, ça va? OK, on passe au point suivant. Maintenant, on est dans les avis de motion, projet de règlement et règlement. Le point 8.1, adoption du règlement 2014-5 concernant les règles de régie interne et de procédure des séances du Conseil et abrogeant le règlement numéro 2 concernant la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant ces séances. On en avait parlé, ça c'est aussi un de nos engagements, donc effectivement, je pense qu'on avait besoin de modifier le règlement numéro 2, on l'a abrogé. Il a été complètement refondu, remplacé. Les principaux changements, vous les voyez à l'écran, concernant ce nouveau règlement-là, qui va être disponible aussi sur le site de la municipalité. Création officielle du comité plénier, donc effectivement, dans l'ancien règlement, il n'y avait pas de comité plénier qui existait, donc on crée officiellement un comité plénier. Et participation de tous les élus, sans exception, peu importe leur allégeance à ce comité plénier-là. Deuxième période de questions en fin de séance. Donc, à partir de la prochaine séance, vous allez avoir une période de questions au début de la séance et une période de questions à la fin, vous permettant de réagir à ce qui se sera passé durant la soirée et de poser aussi des questions d'éclaircissement. Je sais qu'il y a des gens qui veulent éventuellement intervenir durant la période où on fait des propositions, mais là, vous allez avoir la possibilité de le faire après la période, donc dans une deuxième période de questions. Simplification des règles de procédure et normes pour dépôt de documents officiels et pétitions et leur suivi. Donc, s'assurer que tout ça soit bien encadré, normé, pour éviter qu'on ait différents documents, puis par la suite, on se pose la question à savoir de leur légitimité ou de leur légalité. Donc, ce document-là, comme je l'ai dit, va être disponible et vous allez pouvoir le regarder, parce que c'est un règlement qui vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe et comment les séances du conseil municipal vont se dérouler et vont être gérées. Donc, j'en fais la proposition. En fait, qui propose? Martin Guevremont, qui appuie? Marie-Lou, commentaire, question? Allez-y, madame. J'ai une question. Bon, j'ai relu encore une fois le règlement proposé, qui est quand même très différent de l'original, vous l'avez souligné. Je pense que vous avez résumé les principaux changements d'une façon correcte. J'ai fait deux remarques à la session de travail qui ont été prises en compte. Je vous en remercie. Mais j'aimerais clarifier, là, après avoir fait encore une relecture, une énième relecture, j'aimerais clarifier les points 9.6 et 9.10. C'est à la page 6, où il est question du droit de réplique. C'est pas clair pour moi, là, quand je lis, qui exactement a le dernier droit de réplique? En fait, c'est ce qui est indiqué là. Le maire doit s'assurer que tous les conseillers qui désirent parler ont pris la parole avant sa réplique. Donc, la réplique du maire. Car celle-ci met fin au débat. C'est parce que dans le document original et dans le Code Morin, qui est communément utilisé dans les conseils d'administration puis les assemblées délibérantes, la personne qui fait la proposition est celle qui détient le dernier droit de réplique. Puis ça clôt le débat. C'était comme ça dans l'ancien règlement. C'est comme ça dans le Code Morin. C'est une règle qui est acceptée partout dans toutes les assemblées.
C'est toujours la personne qui fait la proposition qui a le dernier droit de réplique. Alors, je m'excuse, là, j'avais pas vraiment pris conscience de cet aspect-là. Et, bon, je pense que ça... C'est une bonne question. Je pense qu'on va regarder ça. Madame Tuzignan, est-ce que vous avez un commentaire à cet effet-là? Et vous, en attendant, est-ce que vous aviez un autre point aussi? Vous avez une autre, le 9.6 et le 9. Ben, c'est 9.6, 9.10, là, qui traitait du droit de réplique. Okay. Dans l'ancien document, Madame Tuzignan, si vous voulez référer à l'ancien document, c'était le point 18. Le document, l'ancien document n'a servi aucunement de référence. Non, non, je sais qu'il a été comme complètement, qu'il a été complètement refondu, mais il y a des choses qui ont été réutilisées. Ben, c'est juste pour vous référer à l'ancien, là. Il n'y a pas de quoi. En fait, ce sont les règles qui ont été reprises qu'on retrouve à la Ville de Québec, à la Ville de Laval. Les règles qui ont été simplifiées parce que si on regarde comment le Code Morin est écrit, ça devient très lourd. Même nous, dans l'ancien règlement, vous vous souvenez, on avait des difficultés à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, ouais, etc. Donc, je pense que c'est la nouvelle tendance de simplifier les règles. Et c'est certain, quand on écrit, on refait un règlement de cette nature-là, on ne réinvente pas la roue, mais on essaie aussi de voir ce qui se passe ailleurs dans des villes qui sont... Ouais. Et de voir ce qui fonctionne, etc. Donc, comme vous avez vu, les règles sont beaucoup simplifiées. On donne beaucoup plus de liberté, alors qu'avant, vous n'aviez pas nécessairement le droit de commenter à tout moment, etc., alors que là, on vous le donne. Pour le droit de réplique, écoutez, je vais faire la vérification. À ma connaissance, c'était le maire qui avait le dernier mot lorsqu'on votait, mais comme je vous dis, le Code Morin n'a pas été suivi ici et ni l'ancien règlement. Donc, je vais aller revoir pour m'assurer que le droit de réplique, c'est soit celui qui propose, et je vais m'en informer parce que quand j'ai fait la rédaction, tout ça, pour moi, c'était le maire qui avait le dernier droit de parole, puis on passait au vote. Mais, en tout cas, c'est sûr que je réfère sans dire qu'on va retourner évidemment dans le Code Morin. Là, c'est pas je suis d'accord avec une simplification des règles. Mon point n'est pas ça du tout. Non. C'est vraiment le droit de réplique qui clôt le débat. Je pense que la personne qui fait une proposition, normalement, devrait pouvoir intervenir en dernier. Puis c'est sûr que prendre un exemple sur Laval puis Québec, compte tenu des maires qu'il y avait là, je ne suis pas sûre que c'est la comparaison nécessairement qu'il faut faire, là, mais c'est juste un... Je pense que les règles qui gèrent les séances du conseil n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé politiquement parlant. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans une ville... OK. Non. Okay. Pas de commentaires, s'il vous plaît, dans la salle. Pas de commentaires dans la salle. Mais ce que je voulais vous dire, Mme Tuzignan, vous avez raison. Est-ce que, nonobstant cet article-là qui actuellement doit être vérifié, est-ce qu'on est prêt à adopter l'ensemble du règlement, exclusion faite de ce règlement-là? De cet article-là. Ben, ça vous pose problème? Ou... Il y avait un autre point aussi, okay, à l'article 4.3, où est-ce qu'on dit que le maire peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre, qui enfreint les dispositions du présent règlement ou qui désobéit à l'une de ses ordonnances. La disposition... Je pense qu'on est dans une modification de règlement, là. S'il vous plaît, dans la salle. Mot à mot, ce qui est prévu dans la loi sur les cités et villes. Alors, ce n'est pas une réinvention de choses, c'est textuellement tiré de la loi. D'autres commentaires, ça va? Ben, moi, c'est sûr que compte tenu des questions que j'ai posées, je ferai une proposition d'amendement cette fois-ci, tout simplement, là. Je vais passer, là. C'est l'adoption du règlement, évidemment. Là, je n'ai pas repris tout le titre, là. Considérant que le règlement 2014-5 régissant les règles de régie interne et de procédure de séance du Conseil doit favoriser l'expression de la démocratie,
considérant que le règlement 2014-5 régissant les règles de régie interne et de procédure de séance du Conseil doit permettre aux conseillers de faire valoir leurs propositions en toute légitimité et selon les règles communément admises. Bon, je proposais que les articles 4.3, 9.6 et 9.10 soient modifiés comme suit. Le maire ou son remplaçant maintient l'ordre et le décorum durant les séances du Conseil. Il peut ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient une séance de toute personne qui en trouble l'ordre ou qui enfreint les dispositions du règlement. Le président d'Assemblée doit s'assurer que tous les conseillers qui désirent parler ont pris la parole avant de permettre la réplique au proposeur, car celle-ci met fin au débat. Et au point 9.10, dès que la réplique du proposeur est terminée, le Conseil dispose de la proposition sans autre discussion. C'est pour assurer la légitimité des interventions des membres du Conseil. OK. Donc, on va passer... Est-ce que vous avez un appuyeur? OK. Commentaire, question? Un petit commentaire seulement, Monsieur le maire. En fait, on en a parlé à plusieurs reprises, là, d'apporter des choses en soir même au Conseil. Non pas que c'est pas pertinent, mais on n'a pas eu la chance d'y réfléchir non plus. Alors, on ne voudrait pas nécessairement... des choses qu'on ne voudrait pas faire ou décider de choses qu'on ne voudrait pas décider. Moi, ce que je propose simplement, c'est de revenir un petit peu de ce qui s'est discuté un peu plus tôt, qui est bon, il n'y a rien qui nous empêche de faire une autre modification à un autre moment donné plus tard. Le règlement en tant que tel, il est fonctionnel. On peut en débattre par la suite dans les séances de travail. J'aimerais ça, justement, que cette passion-là entre nous puisse se faire ressentir dans ces sessions de travail-là versus uniquement être des exposés quasiment lors des séances de travail. Donc, moi, je vais juste annoncer que je vais voter contre, mais je suis pas contre l'idée d'en débattre, mais pas nécessairement pour prendre une décision telle quelle versus qu'est-ce qui avait été déjà discuté et convenu lundi dernier dans la session de travail. D'autres commentaires? Ou est-ce qu'on est prêt à passer au vote? On est prêt à passer au vote? OK. Monsieur Bessner? Alors, pour? Contre. Je suis contre. Contre. Pour. OK. Donc, la proposition est rejetée. Nous revenons à la proposition principale. Mais comme le disait tout à l'heure M. Guévremont, effectivement, je pense que nous allons rediscuter dans une séance du comité plénier pour voir si ces éléments-là peuvent être améliorés, bonifiés, mais ce qui ne rend pas nécessairement le règlement comme tel caduc ou inopérant. Parce que pour nous, il y avait une certaine urgence d'agir parce que ces nouvelles règles-là vont nous permettre justement beaucoup plus de démocratie qu'actuellement. Donc, qui propose? Proposé. OK. On passe au vote à ce moment-là? Qui est pour? Contre. Pour. Pour. Contre. OK. Donc, adopté à la majorité avec discussion ultérieure sur les articles qui font problème actuellement. Le 8.2, adoption du règlement 2014-6 modifiant le règlement E.1-14-1A, je veux dire, concernant l'utilisation de l'eau potable afin que l'application policière de celui-ci s'étende également au cadet policier. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 2014-6 modifiant le règlement E.1-1A concernant l'utilisation de l'eau potable afin que l'application policière de celui-ci s'étende également au cadet policier tel que présenté avec dispense de lecture. Nous avons parlé de cet élément-là la dernière fois avec un avis de motion. Donc, qui propose? Je le propose. Qui appuie? Jacques Bédard, questions, commentaires? Ça va. Donc, nous passons au point suivant, 8.3, adoption du règlement 2014-7. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 2014-7 décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de refinancement pour l'année 2014, tel que présenté avec dispense de lecture. Donc, vous voyez actuellement le total des emprunts qui doivent être refinancés cette année. C'est 20 millions de dollars, donc à peu près 2 % des coûts de refinancement qui vont en frais, et ce qui pour un total de 422 300 $. Donc, qui propose? Je propose. Michel Archambault. Qui appuie? Jacques Bédard. Commentaire, question? Oui. Simplement, pour rassurer la population, les montants qui s'en vont en refinancement, c'est des montants qui, dans le fond, qui ne s'ajoutent pas à la dette, là. C'est des montants, en fond, qui ont déjà été empruntés. C'est simplement que l'échéance vient à terme, il faut renégocier le taux pour le paiement des intérêts futurs. Mais dans le fond, le capital comme tel, lui, a déjà été emprunté, tout simplement.
Alors, on n'ajoute pas à la dette. Je voulais juste le mentionner. Merci. 8.4, adoption, parce qu'il n'y a pas de commentaires, c'est adopté, pas de problème, OK. Donc, 8.4, adoption du règlement 2014-8. Il est proposé d'adopter le règlement 2014-8 décrétant des travaux d'amélioration et de rénovation de certains bâtiments municipaux et autorisant pour en défrayer le coût tel que présenté avec dispense de lecture. Donc, vous voyez, c'est des dépenses de 180 000 $ qui vont aller à la rénovation de la gare, l'amélioration du centre communautaire, il y en a besoin, bien besoin, amélioration de la protection contre les incendies, équipements de surveillance et les frais de contingence plus les frais de financement pour un coût total de 180 000 $ dont la durée d'emprunt va s'étaler sur 10 ans, avec amortissement, bien sûr, sur 10 ans. Donc, qui propose? Michel Archambault. Qui appuie? Jacques Bédard. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Ça va. Point suivant. Adoption du règlement URB Z 2009-027. Donc, il est proposé d'adopter le règlement URB-Z 2009-027 modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de permettre un affichage composé de plusieurs logos et de marques de commerce reliées aux produits offerts pour un usage principal de vente au détail de véhicules de promenade neufs, en parenthèse C7-01-01. Fermez la parenthèse, tel que présenté avec dispense de lecture. Qui propose? Marie-Lou Allary, qui appuie? Jacques Bédard. Donc, questions, commentaires, ça va? Nous en sommes maintenant aux avis de motion. Qui donne avis de motion? Je donne avis de motion d'un règlement décrétant des travaux de prolongement de la rue Jean-Talon, phase 1, entre le boulevard Clairvue et Ouest, et le stationnement de l'Agence métropolitaine de transport, et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts. Vous avez quelques détails sur... Oui, en fait, évidemment, l'objectif, c'est de procéder au développement de l'écoparc. La rue sera parallèle à la rue... Graham Bell, en fait, c'est ça dans l'écoparc actuel. Puis, ça va permettre de rejoindre la gare avec un accès plus direct, finalement, mais aussi de desservir les futures entreprises qui vont s'établir. La réalisation des plans et devis est prévue pour cet été, puis l'octroi du contrat à l'automne 2014 pour des travaux 2014-2015. Les travaux sont inscrits au PTI qui a été adopté en décembre dernier. Le coût est à venir. Donc, qui appuie? Ah, ben, en fait, non, c'est un avis de motion, excuse-moi. On est rendu à l'avis de motion suivant. 8.7. Donc, je donne avis de motion d'un règlement décrétant... Un avis de motion d'un règlement décrétant des travaux de réfection des passerelles le long du ruisseau du Moulin et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts. Alors, vous avez peut-être déjà constaté là, que tout le long du ruisseau du Moulin, il y a différentes structures de bois là, qui sont un petit peu dans un état lamentable. Alors, on va s'assurer au cours de l'été, dans le fond, et de l'automne prochain, de les remettre à niveau. On va remplacer les structures de bois le long du ruisseau par des passerelles en matériaux qui sont, dans le fond, plus durables. Et aussi, dans le fond, on procède pour la longévité des équipements, mais aussi pour la sécurité là, des gens, des usagers des parcs municipaux. Donc, on inclut là-dedans les passerelles du parc Thaïlandier, du lac du Ruisseau et du lac du Village. Encore une fois, ces travaux-là sont inscrits au programme triennal d'immobilisation adopté en décembre dernier. Les plans et devis s'en viennent printemps-été cet été et octroi du contrat à l'automne pour des travaux exécutés à l'automne, encore une fois, septembre-octobre. Le 8.8, avis de motion. Le règlement décrétant le paiement des honoraires. Oui, je donne avis de motion d'un règlement décrétant le paiement d'honoraires professionnels nécessaires à la réalisation de certains projets inscrits au plan triennal d'immobilisation et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Alors, vous allez voir différents projets, dans le fond, qu'on veut réaliser dans les années à venir, principalement des travaux de reconstruction de nos infrastructures routières, notamment la rue Beaumont-Est, qui va être reconstruite entre Montarville et de Boucherville. Vous avez aussi l'égout collecteur entre Grand Boulevard et la station d'épuration de Saint-Basile-le-Grand, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cet égout-là ne subvient plus à la demande. Alors, il va falloir l'agrandir. Et puis, reconstruction de la rue Robertval aussi entre le boulevard Seigneurial-Ouest et la rue Rabastalière. Finalement, l'aqueduc et l'égout à l'extrémité de la rue Cambrai. 8.9, avis de motion décrétant des travaux de réfection. 8.9. Je donne avis de motion de règlement décrétant des travaux de réfection de la toiture abritant la petite patinoire à l'aréna Michael Bilodeau et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts. Alors, la toiture coulait et alors on va procéder à sa réfection.
Est-ce que je suis au bon point, là? Oui. Bon, c'est ça. Elle avait été refaite en 1988. Durée de vie utile a été atteinte. Il y avait des infiltrations d'eau dans les couches sous-jacentes intérieures. Alors, on a évalué aussi les options de récupération de l'eau de pluie. Tout ça va s'inscrire justement dans les travaux de réfection qui sont inscrits au PTI, adoptés en décembre. Les appels d'offres vont déjà être lancés à partir de ce mois-ci, en mars, pour voilà, des travaux à l'automne 2014. 8.10, avis de motion pour des travaux de réfection et d'aménagement. Oui. Donc, je donne un avis de motion d'un règlement décrétant les travaux de réfection et d'aménagement d'installations sportives et récréatives et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. Donc, c'est principalement en rapport avec le PTI déjà adopté, donc le plan triennal d'immobilisation, et ça a rapport avec la réfection des terrains de baseball et de balle-molle, ainsi que renouvellement et la mise aux normes des équipements de jeu dans les parcs municipaux et la consolidation et développement. En ce qui concerne le réseau cyclable. 8.11, concernant le comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement C15.1, qui donne l'avis de motion. Alors, il s'agit d'un avis de motion d'un règlement sur le comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement C15-1 sur le comité d'urbanisme. Alors, je donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un projet de règlement sur le comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement C15-1 sur le comité consultatif d'urbanisme. Alors, il s'agit d'un avis de motion. Ça va. Nous en sommes maintenant au point 9, sujet d'agglomération. Le point 9.1, rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance ordinaire de l'agglomération du 20 février 2014, le cas échéant. Aucun. Le point 9.2, sujet à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 20 mars. Bon, nous sommes favorables à tous les éléments qui sont à l'ordre du jour, à l'exception du sujet concernant l'adjudication du contrat 2014-TDE-502 pour la fourniture d'hypochlorite de sodium. C'est tout simplement parce que ce n'est pas une compétence. En fait, en vertu de l'article 118.9 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, la compétence exclusive de la ville de Longueuil en matière d'assainissement des eaux ne s'applique pas sur le territoire de Saint-Bruno. Donc, c'est tout simplement... Donc, pour moi, on n'a pas d'avis favorable ou défavorable puisque ça ne nous concerne pas. Et nous avons aussi la même situation... au point adjudication du contrat 2013-TDE-539 pour l'exécution de travaux d'évacuation, de transport et de disposition des centres d'incinération du centre d'épuration Rive-Sud. C'est le même genre de problème, le même genre de situation. Pour le reste, nous sommes favorables à tout ce qui va être débattu au conseil d'agglomération. Puis, si vous avez le goût de venir à ces séances-là, la prochaine, c'est jeudi prochain à 16 heures et ça dure exactement... 20 minutes. Nous en sommes maintenant au point 10, affaires nouvelles. Monsieur le maire. Mon Dieu, Seigneur. Oui, ah, c'est, il faut adopter toujours la même chose. Je pense que la greffière... Qui propose? Qui propose? Pourtant, je l'oublierai pas. Qui propose? Qui propose? Martin Guévremont. Qui appuie? Qui appuie? Appuie. Marie-Lou Allary. OK. Commentaire, question, ça va? OK. Chaque fois, je me dis, il ne faut pas que je l'oublie, mais... Pourquoi que c'est pas rentré encore? Donc, le point 10, affaire nouvelle. Il n'y avait aucune affaire nouvelle. Nous en sommes maintenant au point 11, période d'intervention des membres du Conseil. Moi, j'avais quelques interventions, mais je vais attendre que mes collègues élus puissent... Oui, Mme Allary. Deux petites interventions. Premièrement, je voudrais rappeler qu'il y a un très beau vernissage qui va avoir lieu ce week-end au Vieux-Presbytère. Donc, il s'agit des artistes Marie-Hélène Lalonde et André Dubois. C'est à 14 heures dimanche. C'est gratuit, évidemment. Alors, vous êtes tous invités. Aussi, bien, bon, ça a été mentionné dans les journaux. Je suis l'élu responsable des communications ici à la Ville et je pense qu'il était temps que la Ville de Saint-Bruno soit présente sur les médias sociaux. On est très, très contents. Disons qu'on a fait, on a exploré ce qui se faisait ailleurs. On s'est aussi doté d'une étiquette, c'est-à-dire d'un code pour tout ce qui est échange là, sur les médias sociaux. Donc, on est sur Twitter, Flickr, YouTube, mais c'est surtout Facebook que je trouve très intéressant.
pour son côté interactif. Donc, ça fait à peine une semaine là, que la page Facebook a été lancée. Déjà, on a 500 Montarvillois qui sont abonnés. C'est un outil de communication qui est très intéressant parce que c'est pratiquement gratuit. Alors, on espère de plus en plus l'utiliser. Puis on vous invite à venir sur la page. Voilà, je tenais à vous en faire part ce soir. Donc, bienvenue Saint-Bruno sur les médias sociaux. D'autres interventions? Oui. Monsieur Bessin. Alors, j'en ai trois. La première, je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on est le 17 mars, c'est la fête des Irlandais. Il y a à Saint-Bruno une communauté de descendants d'Irlandais. Alors, ceux qui l'ont noté, j'ai mis ma cravate verte. Alors, je pense que c'est... Ah oui. Alors, je pense qu'il faut rendre hommage à cette société de descendants d'Irlandais. Alors, c'est le premier message. Et il ne faudrait pas que j'oublie, Michael O'Dowd est un descendant d'Irlandais. Et je dirais moi aussi. Alors, M. Murray aussi. J'ai pas de cravate. Une deuxième chose, l'implication en politique, comme on fait, malgré qu'il y a des divergences d'opinion, ça arrive rarement ici. Je voudrais tout simplement dire à quel point ça peut être exigeant d'être en politique pour différents aspects. Et je voudrais simplement rappeler, d'ici à la prochaine réunion du Conseil qui va avoir lieu à la mi-avril, n'oubliez pas d'aller voter. Tous les citoyens, toutes les citoyennes, au niveau des élections du Québec, peu importe le parti pour lequel vous allez voter, allez voter. C'est important pour une saine démocratie. Alors, pardon? Je vous laisse l'opportunité, M. Aymar. Le troisième point, avec peut-être un petit peu moins de sourire, mais je pense qu'il faut absolument l'aborder. Et je pense que c'était prévu. Monsieur Serge Moquin l'a soulevé. Il faudrait revenir sur un événement qui est arrivé le 25 février, un événement que je qualifierais de triste. Et je voudrais vous lire, pour le mettre le plus simple, le plus direct possible, alors vous lire ce qui est arrivé le 25 février. Alors, rappelons les faits brièvement. Le conseil de ville de Saint-Bruno avait mandaté le groupe Hémisphère pour procéder à une étude d'évaluation. Il y a eu des godots de mon côté aussi. Merci. Alors, le groupe Hémisphère avait été mandaté au printemps 2013 pour faire une étude sur les milieux humides sur le territoire de Saint-Bruno. Suite à ce mandat confié à des spécialistes, un rapport final a été déposé en janvier 2014. Une présentation a été faite aux élus, c'est-à-dire les gens du conseil ici, une présentation a été faite à la fin janvier 2014. Compte tenu de l'importance de ce dossier, une proposition fut alors faite que le dit rapport soit présenté aux citoyens bénévoles, membres de deux comités, le comité d'urbanisme et le comité d'environnement. La date de la présentation aux membres de ce comité fut pour le 25 février. Les trois conseillers, que sont Mme Hudon, M. Audard et moi-même, nous avons décidé d'assister à cette présentation pour une deuxième fois avec deux objectifs. Mieux comprendre cette présentation qui a des éléments sophistiqués, spécialisés et qui couvre un ensemble de territoires. Le deuxième élément, c'est que les membres qui font partie des comités d'environnement et d'urbanisme sont des gens qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience dans leur champ d'expertise. Nous voulions entendre leurs commentaires
et leurs questions sur le rapport. La session venait tout juste de débuter en ce 25 février lorsque M. Martin Murray s'est présenté à l'avant, a interrompu la présentation pour demander l'expulsion des trois conseillers présents qui avaient décidé de ne pas parler, de ne pas poser de questions. Nous étions là pour, guillemets, apprendre. M. Murray a mentionné que si nous ne quittions pas, qu'il allait tout simplement annuler la rencontre. Il y avait 15 citoyens bénévoles qui étaient dans la salle, 4 employés de la ville, la firme externe qui avait fait le rapport. Les trois élus que nous sommes, nous avons décidé de quitter pour ne pas nuire aux gens. Quand nous avons fait aujourd'hui des présentations pour participer à des comités, on reçoit aucune rémunération additionnelle. On investit notre temps. Et pourquoi? Tout simplement pour faire un meilleur travail, pour maîtriser mieux des dossiers. Je pense que vous le savez tous, une municipalité, c'est multi-service dans bien des domaines. Et par rapport à ça, c'est très difficile de tout connaître. Dans cette perspective, quand on veut se renseigner, quand on veut essayer de mieux faire notre travail d'élu qui nous est confié, participer à des réunions de comité nous apparaît tout simplement légitime et conforme au mandat que nous ont donné les électeurs et les électrices. Donc, quand nous avons demandé ce soir pour les deux comités développement économique et puis pour celui de gouvernance et éthique, nous voulons faire reconnaître tout simplement le droit de bien représenter les citoyens et les citoyennes. Alors, c'était ma remarque. Premièrement, je pense que tous les conseillers municipaux ont eu les outils nécessaires pour représenter leur district respectif. Vous l'avez dit vous-même, nous avons tous eu la chance d'assister à cette présentation-là. Vous dites que votre présence était légitime, peut-être, c'est votre point de vue, mais ça reste que votre présence n'était pas conforme à la réglementation municipale. Alors, vous nous faites la morale qu'il faut la respecter, et là, en même temps, vous voulez aller à l'encontre. J'aimerais aussi dire qu'avant la réunion, on a bien sûr vu la présence... Moi, je parle parce que, bon, je suis sur le comité consultatif de l'urbaniste. J'ai été nommée là par résolution du conseil. Madame Bérubé est l'élu responsable du comité consultatif en environnement, encore là élu par résolution. Donc, nous étions présents. Les autres membres de ma formation n'étaient pas là. Donc, c'est important de savoir qu'avant le début de la rencontre, on s'est rendu compte que Mme Hudon, M. Audard et M. Bessemer étaient présents. Isabelle et moi sommes allés à leur rencontre et on leur a expliqué... On leur a expliqué que ce soir-là, c'était une rencontre d'un comité consultatif et que leur présence n'était pas conforme à notre réglementation. Alors, je pense que M. Audard l'a compris et il s'est offert à quitter. Suite à quelques explications, bon, il y a peut-être eu un malentendu. Et M. Bessemer et Mme Hudon, par contre, ont décidé de rester. Et bon, bien évidemment, ça crée un malaise. Et M. Murray, je l'ai trouvé extrêmement patient. Extrêmement conciliant. Il a approché les trois membres de l'opposition. Il leur a expliqué calmement, à l'extérieur de la salle, que ce n'était pas l'endroit pour faire de la politique. Et il leur a demandé calmement de quitter.
d'une façon privée à l'extérieur. Il ne voulait pas faire de spectacle. Malheureusement, M. Bessemer est resté assis à sa place, les bras croisés, en disant « Moi, je reste ici ». Alors, à partir de ce moment-là, je pense que c'était de la provocation. M. Murray a fait la chose à faire, s'est adressé aux membres du CCU et du CCE. Je pense que c'était une situation qui était, oui, triste. Ça a mis beaucoup de gens mal à l'aise. Les membres du personnel de la ville, les membres des comités respectifs. Alors, donc voilà, je pense qu'il y a certains des autres points à faire. Et, c'était mon ajout. Si vous me permettez, je vais rajouter un commentaire, Mme Allary, parce que... En fait, tout a été dit. Je voulais faire le rectificatif à l'effet que ce n'était pas la première intervention. On n'avait pas été de vous, M. Murray. Mme Allary et moi-même avions tenté de convaincre les trois conseillers de l'opposition de nous écouter sans réponse. Merci. Moi, je veux juste rappeler qu'il y a, eu déjà des présentations conjointes au CCU puis au CCE, entre autres sur l'éco-parc industriel. Cette présentation-là, Mme Archambault y a été invitée et elle a participé. Nous considérons que dans une rencontre conjointe, il n'y avait pas de règles de huis clos. Les règles de huis clos s'appliquent, je pense, au CCU. Je ne l'ai pas vu au CCE. Et c'était une présentation. Nous avions convenu de se présenter comme observateur sans droit de parole, sans droit de poser des questions. Nous avons exprimé, parce que si vous voulez faire le rappel des événements, on vous rappelle que nous vous avons dit qu'il n'y aurait de notre part aucune intervention, ni question, ni intervention. Donc, nous n'étions pas là pour faire de la politique. Je pense que ceux qui en ont fait à ce moment-là, c'est vous autres. Et c'est sûr que je pense que c'est assez clair qu'on est dans deux camps différents là, à ce sujet-là et qu'on pourrait continuer la discussion longtemps. Nous considérons que nous avons été expulsés sans raison, alors que nous n'avions pas l'intention de poser de questions ni d'intervenir. Voilà. Oui. Je vais faire un dernier commentaire. On va terminer là-dessus parce que je pense que ça ne vaut pas la peine d'aller plus avant. Là. Moi, je considère que tous ces comités-là, on l'a dit tout à l'heure, travaillent à huis clos. Le fait qu'ils se réunissaient pour discuter de ce dossier-là, qui avait été d'ailleurs présenté aux tous les élus, donc dans un comité plénier. Et d'ailleurs, je vous dirais que le verbatim, le compte-rendu de cette réunion-là a été... Les gens l'ont tous reçu lundi soir dernier, donc on peut voir tout ce qui a été discuté. Nous, ce qui est important à ce stade-ci, c'était effectivement, il y avait deux comités que l'on juge qui fonctionnent à huis clos et qu'il n'était pas question que quelques membres du conseil municipal qui n'avaient pas le droit de citer pouvaient être là.